Salut les gars, j'arrive. Je me fais mon café, je suis là dans 3 minutes. Messieurs, bonjour! Comment va monsieur Guest Poète et monsieur Xif? Comment vous allez, les gars? Ça va très bien pour moi, Poète. Merci de demander. Si tu parlais à moi, hein, si tu parlais pas à ce salaud de Xif, hein, bien sûr. Xif qui prend le tarif, on sait pas pourquoi, mais il prend le tarif. Ça va très bien. Est-ce que le fond vert est bien réglé? Je l'ai pas pré-réglé avant live, non? Hop, un petit coup à droite. On est pas mal là. Je crois qu'on est pas mal. Bonjour la France. Enchanté. Petite matinée tranquille. Cool, cool. Petite matinée tranquille avant de rentrer. Ça, ces émoticônes de mort quand même. Je regarde les émotes que j'ai récupérées avec les sub gifs qu'il y a eu, tout ça, là. C'est bien de la merde, madame. Je sais même pas c'est quoi l'event, ce qu'il y a. Bref, peu importe. Messieurs, j'ai dépensé l'argent des abonnés, je tiens à vous le dire. J'ai acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté, messieurs? J'ai acheté une cafetière à piston et un broyeur de grains de café. Ah, mais je suis dans le nord canadien, why from Jay. Voilà. Tu connais pas encore bien la chaîne, mais là je suis dans mon chalet, parce que tu sais, en ce moment avec la canicule, tout ça en France, il fait chaud. Donc j'ai déménagé dans le nord canadien pour être un peu tranquille. Ouais, poète, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte. Puis au pire, si c'est pas bien, je renverrai quoi, mais... Mais j'ai pris des bons trucs, ça m'a pas coûté trop cher, hein. Ça m'a coûté 60€ pour le moulin plus la cafetière, donc ça va. Donc on va voir, et en fait le truc cool, c'est qu'à côté de chez moi il y a un Leclerc et ils ont ouvert un côté bio. Et en fait dans ce côté bio, il y a du café en grain, et il y a genre beaucoup de café en grain. Il y a genre, je sais pas, il doit y en avoir genre 15 ou 20 différents quoi, il y a un mur en fait, il y a un mur complet. Avec que du café commerce équitable, bio, tout ça, de bobo hipster, tu vois. Pour me sentir bien après avoir tué la planète avec toutes mes capsules pendant 2 ans. Ah là là, terrible hein. Ça va, why from Jay? Je sais même pas si je veux dire ton nom, je veux dire ton nom à l'américaine dans tous les cas, hein, j'en suis sûr. J'en suis certain, messieurs, mercredi découverte. Bah écoute, ouais, je vais voir, parce qu'en fait le problème c'est que les cafetières italiennes, il n'y en avait pas des très bien notées, et il y en avait certaines, il fallait des plaques à induction ou quoi, enfin c'était un peu chiant. Je voyais pas allumer ma plaque et tout quoi, et les cafetières électriques italiennes elles étaient pas très très bien notées.
Et je suis tombé sur ça, une cafetière française à piston, avec genre 2700 avis, avec 4,5, tu vois. Donc je me suis dit, bon, on va essayer ça, hein. Vu que j'aime bien le café, autant passer à la next step. Avoir du café fraîchement moulu, je pense que c'est... ça peut être pas mal. Petit café en tout cas, quoi qu'il en soit. Je suis chez Malongo et j'ai des capsules en fibres naturelles. Ah ouais. Des capsules en fibres naturelles, ok. Très bien. Bon alors messieurs, hein, si vous ne connaissez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, hein, si jamais vous venez du raid d'hier ou je ne sais quoi, aujourd'hui nous allons faire la journée découverte comme tous les mercredis, en tout cas tant qu'il y a des jeux sur la liste, avec les points de chaîne, vous pouvez me suggérer vos jeux, et le mercredi, bah, en fait on y joue pendant 2 heures maximum, voire plus s'il y a affinité grande affinité, hein, de type 20 cm, tu vois, une belle affinité. Et voilà, donc ce matin on commence avec XCOM, alors Chimera Squad, Chimera Squad, la squad de la chimère à la française, hein. Je ne sais pas comment dire. Salut Morphys, salut à toi. Donc on va découvrir ça, vous avez le planning avec le point d'exclamation mercredi avec tous les jeux testés jusqu'à maintenant. Et ce matin c'est XCOM, la squad de la chimère bien sûr, et Street of Rage 4, qui sont les deux jeux prévus pour cette matinée. Je suis également en train, mesdames et messieurs, incroyable, hein, je vous le dis en exclusivité, je vais rajouter un petit pop-up en HTML, t'as vu tout ça, en CSS, pour faire un peu la pub sur le YouTube, parce qu'en fait j'ai vu que les gens ont du mal à trouver les VOD que je mets de côté, les collections, les replays, les, tout ça, sur Twitch, c'est assez mal foutu. Du coup, je vais réouvrir mon YouTube, donc je suis en train de supprimer toutes mes anciennes VOD qui étaient de qualité médiocre, hein, vu que c'était du 2016 et que voilà, c'était pas la même qualité, on va dire, qu'aujourd'hui. Donc je suis en train de supprimer tout ça et je suis en train d'upload tous les mercredis découvertes, le Let's Play d'Alien, le Let's Play de Man of Medan, le tournoi Warhammer, en gros tout ce qui a été bien cuté et bien structuré pour le live. Je suis en train de faire ça. Donc voilà, je vous communiquerai tout ça bientôt. Mais je pense que ce sera beaucoup plus pratique pour tout le monde. Pour vous, enfin pour vous, pas pour moi, mais pour vous. La qualité a changé étonnamment, Pixelidon, hein, étonnamment. Tu regarderas les... Si tu vas vite sur ma chaîne YouTube, avant que je... parce que là je suis en train de tout délaiter et c'est en train de prendre du temps. Il y a quand même des vidéos de 2015 où j'ai un vieux micro-casque, un truc tout pourri, enfin un truc pas ouf quoi. Bref, allez, on va commencer à boire le café. Et on va commencer à lancer le jeu, mesdames et messieurs. Lançons le game. Pause de la régie. Ça va, Pixel. Dommage que je n'ai pas un univers vidéoludique assez étendu pour proposer des jeux. Bah, ouais, dommage. Qu'est-ce que je te dise ? Ouais, dommage. Il y a bien quand même des jeux qui t'ont marqué, t'as bien... Voilà. Alors c'est marrant, ça me lance un launcher avec XCOM 2, Civilization 6 et XCOM Chimera Squad. Je lance le jeu, vous ne voyez rien pour l'instant, c'est normal. J'autorise ça. Tu es hypé pour le prochain DLC True Kingdoms? Ouais, j'ai vu l'annonce, moi je suis pas hypé True Kingdoms, j'ai essayé plusieurs fois d'accrocher mais j'arrive pas à True Kingdoms, je ne peux pas. Je sais que le jeu est bien, mais... Allô ? Mais j'arrive pas à m'accrocher. Je suis beaucoup plus hypé pour le DLC Wood Elf. Alors, je vais baisser un peu le son, parce que voilà. Parce que madame, c'est fort. Bah, je fais gagner une clé d'ailleurs. Ah non, je crois que c'est le premier pour Battlefield Galactica. Après, dans tous les cas, si vous voulez ajouter des jeux sur la liste, il faut utiliser vos points de chaîne, hein, mesdames et messieurs. Hein. Alors, la capture devrait être bonne. J'espère que je ne vais pas cacher trop de trucs. On va aller dans les options rapidos. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas lancé un XCOM, même celui-ci a l'air un peu plus particulier. Enfin, c'est pas un XCOM classique, hein. Enfin, on va voir, hein. Je sais pas trop à quoi m'attendre. On va voir tout ça. Tac. Fulmineux, j'aime pas. Ok.
Bah écoutez, ça a l'air bien. Allez, c'est parti, on commence la game. Alors, mode normal, mode expert, mode impossible. Bon, j'ai quand même beaucoup joué à XCOM. Après, c'est une découverte, mais... Le mode expert me tente bien quand même. Hein. Parce qu'en fait, tu vois, il y a deux settings. Parce que moi... Ça se joue forcément dans Iron Man. Hardcore, ils disent quoi? L'échec d'une mission mettra définitivement la fin à une campagne. Ah, c'est nul, ça. Moi, je veux qu'une échec d'une mission me retarde, mais ne me tue pas ma save. D'ailleurs, c'est Phoenix Point aussi hein, qu'on fera, hein, les gars. Ah bah Isaac, oui, j'ai plusieurs centaines d'heures, donc oui, je connais bien Zif, en effet. D'ailleurs, en parlant de Banning of Isaac, c'est Undermine, qu'on va peut-être tester aujourd'hui, d'ailleurs. Undermine, qui est un Binding of Isaac-like, je sais pas si tu connais Xif, mais on y jouera peut-être cet après-midi, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup, et qui deviendra sûrement un jeu régulier sur la chaîne, une fois qu'on aura un peu fini la rotation Mortal Shell, Battletech. Neon Abyss, je l'ai déjà fait, mais Neon Abyss, j'attends qu'il soit un peu plus patché actuellement. Initiation, apprenez à contrôler effectivement une classe... Ouais non, ça j'ai pas besoin, je pense, d'initiation. Même si ce jeu propose, à mon avis, certaines nouvelles mécaniques, je pense être assez rodé. Anarchie de la ville étendue. Ajoute 5 niveaux à l'anarchie de la ville et diminue la difficulté stratégique de la partie. Non. Afficher le sous-titre, oui. Soins entre affrontements. Choisissez la quantité de soins gratuits entre chaque affrontement. Comment ça, la quantité de soins gratuits? Normalement, il n'y a pas de soins entre deux missions sur XCOM, il faut attendre. Moi je mets pas de soin hein, les gars. Hein. Mais putain, mais quel connard, je cache les trucs, en plus je suis en double, personne dit rien, super. Le chat qui est bourré déjà à cette heure-ci. Écoutez, moi ça me va comme ça. Hein. Expert, Iron Man, sans initiation, pas de soin. A voir comment celui-ci se déroule, mais allons-y. Allons-y. La résolution a l'air chelou, non? La résolution est pas grosse. Nightingale a péri ce soir dans une explosion au mémorial de la cité 31. L'identité des agresseurs reste, au moment où je vous parle, encore inconnue. Le conseil urbain demande aux citoyens de... Elle se fait vaporiser le jour où XCOM envoie l'escouade chimère dans notre ville. Vous entendez cette voix dans votre tête? C'est moi qui vous dis, réveillez-vous! Malgré l'opposition, le vote décisif de la mère Nightingale a attiré l'agence de réhabilitation dans la ville. Sans son soutien, la présence permanente de l'escouade chimère reste en question. Mais donc du coup, par rapport à l'histoire de XCOM, on en est où là? On est après l'occupation alien, avant, donc c'est XCOM 1, XCOM 2. J'ai l'impression que c'est plus en rapport avec XCOM 2, hein, vu que je vois des aliens partout déjà. Choisions une escouade. Ah! On doit choisir des trucs. Je dois choisir 4 mecs parmi tous ceux-là. Vu que je connais pas les skills, ça va être intéressant. Alors moi, j'ai presque envie de faire quand même une escouade d'humains. Claymore, rôle, explosif, zone d'effet, infiltration. Bombe à shrapnel, lance une bombe qui explose après plusieurs tours. La détonation n'inflige pas de dégâts à travers les abris. Et peut être déclenchée plus tôt en prenant la bombe pour cible. Claymore fait exploser une charge puissante qui engendre une rupture chez tous les ennemis. On peut faire une escouade aussi full alien, d'après ce que je vois. Hein. Parce que c'est quoi ce délire? Pourquoi il y a des aliens dans les mêmes camps que les humains? Godmother, tir précis. Agent tire avec son arme principale dans un cône à faible portée, blessant plusieurs cibles. Ah, tir imprécis, excusez-moi. C'est un shotgun, quoi. Frappe alpha. L'agent tire avec son arme principale pendant l'infiltration et voit son tour avancer dans la chronologie. Ah, il y a un délire de chronologie, du coup, dans celui-là? Enfin, où ils appellent juste le fait que tu joues plutôt... parce que je pense à Otherside, en fait, au niveau de la chronologie. La joueur gagne également un point d'action bonus à son premier tour. Bon, ça me paraît très fort. Patchwork.
Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Choc enchaîné. Agent... L'agent envoie un gremlin électrocuté. Ah oui, c'était les petits... Rappelez-vous, les petits drones. Putain, ça donne envie de jouer à XCOM 2, quoi. C'est terrible, hein. Une petite partie The Long War 2, là. J'ai pas fait The Long War sur XCOM 2, hein. Terrible. Mais apparemment, il n'y a pas moyen de le faire avec le DLC. C'est très dommage. Vu que le DLC était vraiment cool. War of the Chosen. L'attaque se propage aux ennemis à proximité et fait des dégâts aux unités robotiques. Ok, pirate une porte au début de l'infiltration ou un scanner. Franchement, les gremlins, c'était vraiment, vraiment utile. Shelter. L'agent échange psioniquement sa position avec celle de l'ennemi ou de l'allié ciblé. Ne met pas automatiquement fin au tour. Du mouvement, c'est extrêmement fort. Hein. Éblouissement. L'agent lance une attaque psionique, désoriente tous les ennemis près du point d'infiltration. L'ennemi ciblé reste désorienté un tour de plus. Ouais, dommage, Xif. Enfin, franchement, le fait qu'il soit en early access, ça me casse un peu les couilles. Je vais faire mon relou, mais je vais attendre la release. Hein. Comme j'ai attendu pour Undermine. Hein. Je vais attendre la 1.0, je pense. Hein. Œil de Lynx, je pense que lui on va le prendre. Je pense qu'il. Enfin. Blue Blood, je pense qu'il porte bien son nom. L'agent tire avec une pénalité de moins 15% à la visée, mais une augmentation de plus 50% de dégâts. Et Desperado, ouais, vas-y, on va prendre ça. En vrai, on est une escouade full humain, les gars. Je me vois mal jouer avec des aliens en fait, dans XCOM, je sais pas, ça me. Voilà, je ne suis pas serein. Escouade Chimère, attention. La directrice vous parle depuis le QG d'XCOM. Escouade Chimère, je sais que vous cherchez encore vos marques, mais il y a urgence. Il y a peu de temps, des insurgés ont saboté l'ouverture du mémorial de la Cité 31. Ils ont pris la mère Nightingale en otage. J'aime la bien police le a tenté côté de la comics. Sauver, mais les insurgés ont déclenché une bombe plasmique qui a tué tout le monde à l'intérieur. Ah. Je sais, ils auraient dû nous demander notre aide, mais inutile de nous attarder là-dessus. Nous devons nous concentrer sur la suite. C'est une bombe plasmique qui a tué la mère. Les insurgés n'avaient pas le matériel nécessaire pour la fabriquer. Quelqu'un d'autre les aurait aidés? Les aliens ? Probablement. Il y a trois groupes dans la cité 31 qui peuvent disposer de ce genre de matériel. Besoin de la prochaine enquête. Alors ça a l'air d'être vraiment différent d'un XCOM classique hein, en termes de déroulement. Ça a l'air un peu plus scénarisé. Alors la prochaine enquête, les progénites, un réseau de psions humains, pour eux l'avenir de la cité 31 est entièrement psionique, que la ville le veuille ou non, donc les pro-modificateurs, hein, les transhumanismes, c'est, d'ailleurs en parlant de transhumanisme, c'est les Deus Ex aussi, hein, je sais pas si vous êtes chaud sur les Deus Ex, mais c'est vrai que j'ai le dernier Deus Ex, hein, Mankind Divided, je l'ai mais je l'ai jamais fait, j'ai jamais réussi à me mettre dedans en fait, j'ai jamais réussi à me motiver à bien le faire. Pourtant, je sais que c'est un bon jeu, mais je sais pas, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire. Pourtant, j'adore le côté steampunk, transhumanisme et tout, c'est bien mon délire, mais pourtant, j'arrive pas, quoi. Pourtant, j'arrive pas. Une organisation de pierres extraterrestres. Ils ont discrètement accumulé le genre d'armes que la réalisation est chargée de retrouver. Ou alors la bobine sacrée, un mouvement religieux clandestin prêchant le salut pour les hybrides, mais uniquement s'ils ont combattu XCOM. Mais c'est des bâtards du coup. Un moment religieux clandestin prêchant le salut pour les hybrides, mais uniquement s'ils ont combattu XCOM. Du coup, c'est des bâtards eux. Vas-y, on va les canner. Enquêtons sur la bobine sacrée. Ou ce qui arrive quand d'anciens officiers d'Advent rencontrent la religion ou en inventent une. Ils prétendent être D'accord. la vraie voie pour les hybrides de la cité 31, qui est plutôt celle des insurrections armées. J'ai fait les plus vieux. Directrice, ce sont des criminels locaux. Ça ne dépend pas plutôt de la police? Si. L'agence de réhabilitation soutient les autorités locales. Mais nous devons aussi récupérer les matériaux dangereux. Avant qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Salut Odin. Chacun de ces groupes pourrait être mouillé jusqu'au cou. Et maintenant? Concentrez-vous sur un seul groupe. Enquêtez, mettez fin à leurs opérations et neutralisez-les. Et on cherche des liens éventuels avec la mort de la mère. Dans tous les cas, une dangereuse organisation opère dans la ville. Exactement. La ville réclame justice pour la mère Nightingale. Et nous allons l'aider à l'obtenir. Alors, état de l'enquête. Bobine sacrée en cours, opération active. Enquêter sur la bobine sacrée. Nous devons en apprendre plus sur la bobine sacrée avant de pouvoir continuer notre enquête. Aperçu de la faction. Un moment religieux clandestin prêchant le salut pour les hybrides, mais uniquement s'ils ont combattu XCOM. Des gros bâtards, quoi. Hein.
Moi, voilà, XCOM forever. Hein. D'ailleurs, bientôt le tatou XCOM sur mon bras, hein, évidemment. Pas du tout. Journal d'enquête, 1 mars, enquête lancée. Hiérarchie de factions, la propagande abominable sacrée s'inspire directement de celle d'Advent. Il doit y avoir un lien entre les deux organisations. Oui, d'accord. Mais encore. J'ai des onglets, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans la cité 31. Sous l'occupation d'Advent, la ville était une forteresse abritant un astroport très actif. 5 ans après la victoire d'XCOM, elle abrite des extraterrestres, des hybrides et des humains. D'accord. Les nouvelles industries, le gouvernement indépendant et l'agriculture locale subviennent aux besoins de cette population disparate. Contre toute attente, la ville a prospéré après la guerre. Elle n'a subi aucune attaque de représailles. Jusqu'à ce soir. Nous ne le savons pas. Pas encore. Mais nous pouvons le découvrir. Donc, le jeu prend place après XCOM 2. XCOM a triomphé de l'invasion alien, a repris le pouvoir, je suppose, mais fait en sorte qu'il y ait une cohabitation entre les humains, les extraterrestres et les hybrides. D'après ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Alors, on doit faire une mission, donc, enquêter sur la bobine sacrée, très bien. Alors, 30$ c'est quoi? C'est ce que ça nous coûte ou c'est ce que ça nous rapporte? Je pense que c'est ce que ça nous rapporte, ça serait logique. Regardez, le quartier général nous a envoyé un assemblage. Avec les bons schémas, on peut construire n'importe quoi. Du moins, on pourrait avec la dernière version. Ce que vous voyez là est le modèle 2038, très capricieux. Ah ça. Il faudra du temps pour tester nos schémas. Mais une fois que nous les aurons, nous serons prêts. Personnel Android, construit la plateforme OPS pour Android. Ce réseau permet d'utiliser des androïdes lors des missions tactiques et débloque de nouveaux projets d'assemblage. Bon, ça a l'air d'être le... Bah, on n'a pas le choix, hein. Allons-y. ST-93 représente. J'autorise donc les ça, squads chimères à lancer ça, des opérations spéciales. Certaines opérations rapportent des ressources utiles à l'escouade. Essayez de ne pas manquer ces opportunités. Donc ça, c'est quoi, du coup? Opération spéciale. Persuader des personnes et entreprises fortunées d'apporter financement à court terme en cette période de crise. Ça me va. Sélectionner une unité. Ah, mais du coup, j'utilise un de mes gars. Et je vais en avoir besoin pour une mission. Donc, pas pour tout de suite. Quand vous n'êtes pas en mission, vous devez entretenir vos aptitudes physiques et mentales. Et pour ça, rien de mieux que l'entraînement. Grâce à ça, vous pourrez aussi vous remettre plus facilement des blessures de longue durée. Alors soignez rapidement vos blessures. Ce serait dommage de le regretter à long terme. Ok, donc là c'est l'entraînement et le soin. Salut Kars! Et ça c'est pas encore accessible. D'accord, bon. En gros, go faire la première mission. Capacité équipe sur le terrain. Donc ça c'est tout ce que j'ai. Alors qu'est-ce que c'est que ça du coup? Je ne sais pas. On va lancer la mission. Ici Whisper, je vous tiendrai au courant des activités demandant votre attention. Et à ce sujet, la bobine sacrée attaque un bâtiment stockant du matériel de contrebande de l'équipe de l'époque Advent. Nous ferions mieux de l'arrêter, non? Oui. Nous ne sommes pas la police. Si vous voyez un voleur, appelez les autorités et continuez. Il existe cependant une exception notable. C'est un étranger? Les hostiles transportant des marchandises de contrebande dangereuses peuvent tenter de fuir. Ne les laissez pas vous échapper. Salut Rorcal. Ok, bon, on a pas de mode, on a que dalle, hein. Fusil à pompe, fusil d'assaut, mitraillette, pistolet. C'est une mission en difficulté facile, donc je répète, on joue en Iron Man expert, sans soins bonus, sans tuto. Donc allons-y. Je suis très curieux de ce XCOM en tout cas, on va voir ce que ça donne. Bah ça va, car c'est toi. Je me suis acheté une vraie cafetière et du vrai café, car je suis content, dans 2 jours je vais tester la vraie vie du café. Je suis assez hypé. Et je l'ai acheté avec la Twitch Money. Plus tôt dans la semaine, une caméra de surveillance a repéré des larbins de la bobine sacrée autour de cet entrepôt. Aujourd'hui, l'alarme silencieuse qui paye, s'est déclenchée. Bon. L'endroit est plein de contrebande de l'époque d'Advent, en partance vers une chambre forte. Quel genre de contrebande? Des grenades plasmiques ou ces casques débiles? Des pièces de rechange. Je suis en train de lire le manifeste. Mode infiltration. Donc ça, c'est similaire, du coup, à XCOM 2. Il est cool, ouais. Bah écoute, moi je suis un gros fan de XCOM, hein. J'ai vraiment beaucoup joué au XCOM. Et c'est vraiment... c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce qui se passe là? 1, 2, 3, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas.
D'accord, donc je choisis qui rentre et par où. D'accord. Visée plus 25 pendant l'infiltration de toutes les unités entrant par ce point. Du coup, le mec qui était... C'était lui qui avait un bonus, enfin un malus de visée, mais beaucoup plus de dégâts s'il visait, donc on va mettre lui ici. Absolument, Karl, c'est exactement. Et donc la porte secondaire, on peut faire passer deux unités. Alors ça, je sais pas c'est quoi, ça représente quoi là. On gagne deux de shield, on gagne... Qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. Désactivation rapide, la première unité à rentrer par ce point verra son arme désactivée. Ça c'est pas ouf. Dégâts plus 3 pendant l'infiltration pour la dernière unité à entrer par ce point. Donc là, il faut faire rentrer deux unités dans tous les cas, parce que sinon c'est de la merde. Mais désactiver notre arme, je sais pas combien de temps ça dure, mais ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est pas intéressant. Je ne sais pas, je connais pas assez le jeu. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On va mettre un support et on va mettre lui. Et on va remplacer Godmother à l'entrée. Et puis on va voir, on va découvrir. Hein. On va entrer. Infiltration, infiltration. C'est pas vraiment de l'infiltration ça. Alors du coup on l'a surpris, c'est ça. Donc on a deux cibles possibles. Alors bon, ça c'est XCOM, hein. Le mec qui est devant, complètement découvert, on a 72% de chance de hit, mais le mec qui est caché plus loin, on a 86% de chance de hit. Avec un shield, non, j'ai pas ça, non. Bah allons-y, un tir d'infiltration, évidemment. Voilà, on confirme le kill, hein, donc... Donc allons-y. Allez, c'est étrange ce truc d'intro là. Donc là en fait c'est quoi. Je choisis s'ils vont à couvert ou si on tire, c'est ça. On a 100% de hit sur lui, go le tuer. Hein. On l'a pas kill. On l'a pas kill, très bien. Salut Agorax. Ah bon, on est quand même à couvert donc ça va. Ah, les petits sons de XCOM. Plus rien, faut que je recharge. Alors, c'est en QWERTY, bien sûr. Voilà, je suis en QWERTY. Faut voir t'y habituer, c'est comme ça dans toutes les missions, toutes les pièces. D'accord, ok. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, qui je joue. Qu'est-ce qui se passe. Qui suis-je. On va se mettre là-haut. Donc, je suppose qu'il y a toujours le délire des full cover, etc. Hein. Alors pourquoi je ne peux pas tirer. Pourtant j'avais un angle de tir ici. Ça y est, les embrouilles. Alors, choc enchaîné provoque une électrocution sur la cible. Les ennemis, les dégâts se propagent. Donc, je suppose que les compétences c'est des cooldowns. Est-ce que je me mets à gauche ou à droite. Je pense qu'à gauche je gêne pas, je vais me mettre à gauche. Mais allons-y, apparemment ça fait 4 de dégâts. Ça en fera moins. Très bien. En fait, ce que j'ai peur avec ce jeu, c'est que ça me donne plus envie de jouer à XCOM 2 The Long War que de jouer à ce jeu-là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas. La bobine sacrée a volé des pièces spéciales de CEM. Du genre qu'on peut pas vraiment reproduire. Des CEM. À vos armes. La bobine sacrée ne repartira pas avec ces pièces. Ouais, c'est ça, poète. Ça risque d'être ça, le problème. Ça risque d'être ça, le souci, en fait, hein. Plus 25 de défense pendant un tour. Mais il n'y a que des bonus. La dernière unité entrée par ce point recevra un point d'action supplémentaire. Mais c'est trop fort ça, un point d'action supplémentaire. Restez pas groupés. Mais les gars, on me confirme à 100% hein, qu'il n'y a pas moyen de faire XCOM 2 The Long War avec le mode War of the Chosen intégré. Ok. En fait,
sais pas si j'aime vraiment cette phase-là, parce que je trouve que ça enlève vachement le côté je déploie mon escouade tactiquement sur le level, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah mais Rorcal, si t'as fait les XCOM mais sans le mode The Long War, installe aucun mode, mais juste le mode The Long War, mais crois-moi, c'est un autre jeu. Hein. C'est le vrai jeu. Pour te dire, les mecs qui ont fait le mode The Long War, ils ont été recrutés par les gars, par la vraie team de dev de XCOM, pour travailler avec eux. Le mode The Long War, mon gars, c'est un truc de malade. Hein. Et je l'ai pas fait sur le 2, j'ai fait sur le 1 et j'ai pas fait sur le 2. Ça rajoute des classes, des levels, la campagne est 10 fois plus longue, il y a 10 fois plus de missions, enfin c'est... Sincèrement, Rorcal, si un jour t'as envie de te remettre sur un tactical, je te conseille à 10 000%, à 10 000% le mode The Long War 2. Hein. Bon, moi je suis traumatisé, je joue en grosse difficulté, donc on va rester sur les full cover. Je vais par là. Attention, t'es à découvert. Qu'est-ce que t'entends pour le faire au lieu de faire du battle mech? Battle tech ou battle mech? Je sais jamais. Hein. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup battle mech aussi. Bon, 2 chances sur 3 de hit. Alors, 2 chances sur 3 de hit ou alors presque 1 chance sur 2 de le one-shot. On va tester l'œil de lynx pour le beau jeu. Ah, j'avais un truc aussi de travail des... Bon, ça rate forcément. Ah, j'ai manqué la cible. Pense à ton entraînement. Ouais bah franchement, enfin voilà, je peux pas me répéter hein, mais... Ah oui, tir imprécis, c'est vraiment short range. Le blindage de la cible a dévié le tir. Ah ouais, t'as rage kill, putain dur. Bah après, XCOM, c'est un jeu où il faut avoir un peu les nerfs solides, hein. C'est sûr que ça peut être frustrant. Alors je sais pas si on a des bonus en hauteur, je suppose que oui. Hein. Je suppose que c'est les mêmes règles, mais vu qu'elle a le choc là, voilà, le choc c'est trop fort. Hein. Je vais griller des circuits. Surtout sur les droïdes, on a plus de dégâts. Après tu peux juste te mettre genre en normal, par contre joue en Iron Man, par pitié, hein. Faites les XCOM like en Iron Man, hein, la bobine sacrée est en fuite, hein. Les perdez pas dans l'entrepôt. Mais tu te mets en normal, tu vois, normal Iron Man, tu peux déjà bien t'amuser. Hein. Alors, porte secondaire, surprise, les ennemis touchés par vos tirs pendant l'infiltration seront étourdis. Je trouve ça trop fort. La dernière unité à entrer par ce point se mettra automatiquement en mode vigilance après l'infiltration. Et quel intérêt du coup? Les ennemis sont plus difficiles à toucher en passant par derrière. Mais ça nous offre sûrement des opportunités d'angle plus intéressants. Ouais bah c'est la loi XCOM hein, j'ai envie de te dire. Infiltration. Rater des tirs à 95% et en résultat perdre un soldat qui est au rang de colonel. J'ai envie de dire c'est un peu la base quoi. Alors du coup si je fais tir à couvert. Voilà, moi là, je viens de commencer le jeu, je suis un gros fan des XCOM like. Il y a un truc que j'aime pas dans ce jeu, que je peux vous dire tout de suite. Je ne peux pas placer mes soldats dans les niveaux et je peux pas avoir le. Je peux pas appréhender le terrain comme je le souhaite. Et ça, j'aime pas, clairement. Par contre, le jeu est beau, il a l'air de mieux tourner que XCOM 2, en tout cas que XCOM 2 au moment de sa sortie. Et le côté comics a l'air sympa. Enfin, l'aspect comics sur les trucs comme ça, j'aime bien. Je cherche les flancs. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas fait Phoenix Point, je le conseille énormément. J'ai repéré pour ceux qui n'ont pas fait Phoenix Point sur l'Epic Store, hein. Code créateur Lennart, évidemment. c'est un très bon XCOM like. On le refera quand le nouveau DLC sortira. Il y a un DLC prévu, donc on le fera et ça va être pas mal. Hein. Alors maîtriser, c'est quoi ça?
Blue Blood frappe une cible au corps à corps. Si le coup est susceptible de tuer la cible, celui-ci perdra simplement conscience et pourrait être capturé dans son mission. Oh, ça peut être intéressant ça du coup. Et travail d'équipe alors c'est quoi? Blue Blood se coordonne avec un allié diminué pour faire avancer son tour dans la chronologie. La capacité de travail d'équipe est partagée par toutes les squads et ne peut être utilisée qu'une seule fois par mission. Ok. Et préparation c'est quoi? Se prépare pour le tour suivant. Ouais, donc c'est le truc pour se cacher, ok. Vigilance. L'œil de lynx, très bien. Salut Gilestiel, bienvenue à toi. Je viens de prendre Phoenix Point. Tu l'as terminé, dépasse XCOM. Alors, je ne l'ai pas terminé. J'ai eu un game over parce que j'ai fait un peu le débile sur ces jeux-là. En fait, j'aime bien commencer en grosse difficulté en Iron Man. Et j'ai perdu deux campagnes à un moment assez avancé. Donc je n'ai pas terminé le jeu. Est-ce que ce n'est pas XCOM? C'est vraiment enfin, c'est un autre twist, tu vois, le système de visée qui est différent, le fait que t'aies pas de chance de hit, c'est assez sympa je trouve, le fait de pouvoir cibler les parties des monstres, etc. Je le mets côte à côte avec XCOM 2, sachant que je n'ai pas fait XCOM 2 The Long War. C'est un autre twist sur le genre tactique et c'est vraiment excellent, je pense que tu vas bien kiffer, GDCL, si t'as apprécié les XCOM, tu vas bien bien kiffer je pense. On le tue pas, on va plutôt assurer le tir à 72%. Ok. Et les vieux UFO, je les ai très très peu faits. J'ai les styles, je les ai un peu testés en mode rétro, mais j'ai pas assez de... Qu'est-ce qu'il a fait lui? J'ai pas eu le temps de lire. Je vais avoir une marque. Je les ai pas assez testés pour avoir un retour là-dessus. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai vraiment pris mon pied sur Phoenix Point et il a vraiment des mécaniques et des trucs qui sont uniques au jeu. Parce que moi quand j'ai lancé le jeu en fait, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode oui tu vas voir c'est un sous XCOM, il y a rien d'intéressant et tout. Alors qu'en fait pas du tout, le jeu est vraiment sympa. Hein. Je grille l'ennemi. Il a lancé son autodestruction, d'accord. Du coup il va nous rusher à la gueule, c'est ça? Et à quoi correspondent du coup les chiffres à côté, 7, 2, etc. Heureusement que t'es dans notre camp. Ah c'est le tour, c'est les tours, d'accord, ok. Ok, alors du coup mon shot, parce que là en fait j'ai l'impression que je manque d'infos. J'ai débuté justement sur les UFO, d'ailleurs c'est le producteur de Phoenix Point, d'accord, je savais même pas tu vois. Parce que moi il y a un XCOM-like, entre guillemets, récent, mais qui fait très très rétro sur son look que j'ai testé, c'est quoi son nom? Vous le connaissez forcément. Putain, j'ai tout à fait le visuel en tête, mais bah c'est pas UFO Défense quelque chose? Point d'exclamation mercredi à Gorax, mais ce matin c'est ce jeu-là et Street of Rage 4, point d'exclamation liste, faudrait que j'enlève. Parce qu'en fait je l'ai mis directement sur le point d'exclamation mercredi à Gorax. Mais j'ai pas mis tous les jeux, en fait. Parce que je sais pas encore ce que je vais faire. Ça va être un peu la surprise. Oh là là, j'ai pas ce jeu en tête là, ça me trigger. Je suis triggered. Xenonauts, voilà, c'est ça, bien joué. Et Xenonauts, en fait, j'ai pas du tout poussé le délire. Bon, on va se mettre là, hein. On flanque. Je change de position. Allons-y, hein. C'est passé à côté. Voilà. Bienvenue sur XCOM, évidemment. Évidemment. Alors, remplacement, c'est quoi ça? Shelter échange psychiquement sa position. Ah bah oui, mais attends, mais c'est trop fort ça du coup. Attends, mais moi je veux échanger ma position avec. Avec le mec qui est devant là. Avec lui. Attends, mais j'ai pas le choix? Je peux pas choisir avec qui j'échange? Ah, parce qu'il est pas dans mon champ de vision. Je suppose que c'est à cause de ça. Ouais, c'est un peu le drawback, j'ai l'impression, Gilles Estiel. C'est un peu ce qui me dérange pour l'instant, je sais pas si t'étais là quand j'ai un peu critiqué ce point-là. Mais voilà, moi sur XCOM, j'aime bien positionner mes troupes en avance, le côté infiltration, surtout dans XCOM 2 avec le côté infiltration. Bon, 60% ça se tente en vrai. Hein. Parfait. C'est pas très efficace. Mais ouais, ce point-là me dérange un peu, je dois bien l'avouer. Est-ce qu'on a du run and gun quelque part? Je connais encore mal mon équipe. Préparation, vigilance. On peut se mettre là, c'est une demi-cover, donc c'est pas ouf, mais
On a 82% de chance de hit et normalement on le tue, on le fait 3 à 4 de dégâts. Donc en fait on a une chance sur 2 de le tuer vu que c'est 3 à 4 de dégâts mais avec 1 point d'armure. Et sinon l'œil de lynx, 7 chances sur 10 de le buter, moi ça me va. Je vous tiens. Au secours. Et il va se faire péter, c'est ça? Et on est tous morts. Oh non ça va, 3 de dégâts, putain je m'attendais à pire. C'est pas bon du tout. Blessure légère, blessure légère. Et donc du coup de base dans ce jeu là on peut configurer une auto, un auto-heal que j'ai désactivé parce que normalement dans les XCOM quand tu termines une mission t'as pas de auto-heal. Donc je ne sais pas. On va voir comment ça se passe, comment les mécaniques de ce jeu là fonctionnent. Ça a l'air beaucoup plus scénarisé, beaucoup plus linéaire en fait de ce que j'en vois. Je me trompe peut-être hein. Je me trompe peut-être mais encore une fois s'il y a un truc qui m'a fait beaucoup jouer à Phoenix Point et à XCOM, c'est le fait que chaque campagne est un peu ouverte entre guillemets quoi. Enfin, vous pouvez un peu vraiment faire votre vie quoi. Et ça j'aime bien. Oui, allons-y. Donc on récupère 30 balles. Si la bobine sacrée s'en prend au CEM, oui, ils ont besoin de soldats. Mais pour quelle armée? Ils sont longtemps restés dans l'ombre. Mais l'élection de la mère Nightingale les a fait sortir du bois. Leur haine pour elle les a motivés. Découvrez si la bobine sacrée avait les moyens de perpétrer un assassinat. Ok. Alors, enquêtez sur l'intérêt pour les androïdes. La Cité 31 est devenue la seule source mondiale d'androïdes depuis la réorganisation des usines de CEM d'Advent. La bobine sacrée fouine là-bas depuis une semaine. Découvrez pourquoi. Alright. Parce que là, actuellement... J'ai des ciels, hein, pour les autres hein, qui sont peut-être nouveaux sur la chaîne, je suis en train de, en ce moment, cette semaine, je fais du Battletech, c'est ça, que je massacre pas le nom du jeu pour la 8 milliardième de fois. Attendez, laissez-moi juste vérifier, c'est bien ça, voilà, Battletech, qui est en fait un XCOM-like avec des mechas. Alors je sais que le jeu plaît pas à tout le monde en termes d'esthétique, mais le pimp ton mecha comme tu veux, ça me plaît beaucoup. Donc actuellement, les matins, on fait ça, et l'après-midi, on fait du Mortal Shell, qui est un Souls-like. Pour d'exclamation planning, hein, si vous voulez voir le planning de la semaine. Alors du coup, anarchie en ville, donc ça je suppose que c'est la barre de Game Over. Voilà, c'est ça, si le niveau de chaos arrive à 14, on s'effondre et on s'emmerde quoi. T'aimes bien les jeux de sport? T'aimes bien les jeux de sport à part les sports de fight? Est-ce que j'aime bien les jeux de sport? Déjà les jeux de combat, les jeux de sport de combat, je suis pas fan. Enfin j'aime bien le versus fighting, les Tekken-like et tout. J'aime bien les jeux de tennis. Je jouais beaucoup à Top Spin, pour ceux qui ont connu Top Spin à une époque. C'était un jeu de tennis où tu pouvais faire évoluer ton mec et tout, enfin c'était assez stylé. Mais en fait le problème avec Gorak c'est qu'il n'y a pas de bon jeu de sport je trouve qui sort. Genre là demain tu me dis tu sors un jeu de tennis en multijoueur où tu fais level up ton mec au fur et à mesure, il y a des leaderboards, des classements, avec un côté RPG un peu à Top Spin où tu peux mettre des coups spéciaux à tes mecs et tout. En restant assez proche de du réalisme, hein, pas un truc trop pété, tu vois. Ça serait carrément stylé. Hein. Mais ouais, j'aime bien les jeux de sport, les bons jeux de sport, j'aime bien. Après le foot, je suis pas fan. Mario Super Tennis, j'aime bien, mec. J'avais un peu joué à Mario Tennis, c'était stylé. C'était bien stylé. Battletech, c'est sympa, mais la difficulté décrite de certaines missions sont complètement la ramasse. Ouais, j'ai perdu une campagne à cause de ça. Je suis d'accord, mais... Mais j'aime bien, j'aime pas mal le jeu. Je trouve que Battletech peut être plus stratégique sur le fait que tu peux viser un point particulier d'un mecha pour le mettre en PLS, mais bon, tu viens de commencer celui-ci. On verra par la suite. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de trucs à voir encore. Je suis encore relativement nouveau. On a fait quoi, 5 streams sur Battletech. Je commence seulement, sur le stream d'hier, je commençais seulement à être à l'aise un peu avec toutes les interfaces et tout ça, quoi. Donc ouais. Mais en tout cas, voilà. JDCL, j'aime beaucoup, sur la chaîne, je fais beaucoup de jeux de ce genre-là, j'aime beaucoup les tactical, les jeux de gestion tactical, etc. C'est les principaux jeux qu'on fait sur la chaîne. Avec un peu de RPG occidental à la Souls-like actuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait Mortal Shell, ce qui est vraiment sympa et qu'on continuera demain après-midi. Bref, salut Yoshi. Mais non Yoshi, point d'exclamation planning Yoshi, le mercredi découverte, hein. Yoshi qui fait genre c'est un vieux monsieur de la chaîne, mais qui n'est pas au courant. Alors du coup, accueil chaleureux, est-ce que je peux prendre une unité qui est blessée? Entraînement. Est-ce que je peux voir mes troupes là? Où est-ce que je vois mes troupes? Ah mais t'es là en mode lurker, j'ai les ciels, je croyais que si tu étais nouveau sur la chaîne, oh là là, terrible. T'avais déjà follow la chaîne, c'est ça? Dis-moi que je t'ai oublié complètement. Follower depuis le 3 juin, mais oui.
Je t'avais oublié, mon cher GSL, c'est terrible. C'est terrible. Après, quand vous pas, quand il y a un follow qu'après vous parlez pas beaucoup, hein, ne le prenez pas personnellement. Hein. C'est difficile pour moi de me rappeler de tout, hein, évidemment. J'avais surtout pas idée qu'on était mercredi. Chômeur, bonjour. Le petit chômeur. Salut de Backshot. Si vous aimez BattleTech, il y a MechWarrior Online. Ouais, on nous a déjà pas mal parlé de MechWarrior Online. Attendez, je reçois des mails. Putain, on avance pas là, terrible. Jacques, comment... La directrice a convaincu le conseil urbain que nous étions trop peu nombreux pour être efficaces. Nous pouvons donc accueillir plus d'agents dans la cité 31. Pas encore toutes les squads, mais c'est déjà ça. Merde. Je viens de rater un appel de Pôle emploi, les gars. Et oui, je suis chômeur depuis peu. À l'instant. Je vais AFK, les gars. Je suis désolé, mes priorités à ma vie professionnelle, ma future vie professionnelle, parce que là, je suis en galère pour essayer de me caler sur une formation qui arrive bientôt. J'ai AFK 5 minutes, je les rappelle. Je vous laisse 5 minutes sur une petite compile de clips et je reviens. Je suis désolé, le début de semaine est un peu chaotique avec ça, mais c'est important pour moi. Je vous mets une petite compile de clips, je reviens dans 5 minutes. Je reviens. Ah ouais, putain, Yoshi, t'avais raison, quoi. T'as raison. Bah écoute, je vais enlever le mode silencieux de mon téléphone, et puis s'il rappelle, je décrocherai, hein, tant pis. Elle m'a envoyé un mail aussi, je regarderai ça après. Oui, faut que je fasse la compile de clips, c'est fin, mais en fait, là, actuellement, j'ai beaucoup de trucs à faire sur la chaîne. Les gars, je suis en live de 9h à 18h, ma femme rentre à 18h, j'ai beaucoup de trucs à faire sur la chaîne, j'ai la roue de la tombola, je suis en train de refaire la chaîne YouTube pour que les VOD soient beaucoup plus accessibles pour tout le monde. J'ai la compile de clips à faire, j'ai pas mal de trucs à faire sur la chaîne, j'essaie d'avancer petit à petit. Ça avancera plus ce week-end, je pense. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de son. Pourquoi il n'y a pas de son? C'est bizarre, hein. Pourquoi il n'y a pas de son sur les sons? Bon, c'est pas grave, tant pis. Ouais, je suis, c'est ça, ouais. Bah, je vais attendre qu'il me rappelle, hein. Ça m'emmerde de assurer mon live pour ça, mais bon. J'avais claqué mon son, bah t'as bien fait. Pourquoi j'ai pas les sons? Je ne sais pas, faudrait que je relance le live. C'est bizarre, il y a des trucs comme ça, tu sais pas pourquoi, des fois ça marche plus, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Bref, du coup, on peut débloquer un nouvel agent, mesdames et messieurs. On peut débloquer un nouvel agent. Un soigneur, ça me paraît fade quand même, hein. Alors c'est ça, la cité 31? Oula, elle est pas contente. Ça va, Rachetou? T'es dans la partie industrielle pré-invasion de la ville. J'aime pas trop. Quoi? La ville? Le nom. Il y avait 30 autres cités avant celle-là? Et pourquoi leur donner des numéros? Aucune idée. Je vais tirer cette affaire au clair. Vraiment? Non. Je vais encore râler quelques jours et puis je finirai par m'habituer à l'idée. Terrible, dernier jour de congé. Bah ça, t'as une petite semaine, quoi. Ah bah voilà, on y arrive à la gestion des agents. Alors, on avait pas quelqu'un de blessé du coup? Notre bureau local temporaire. Ah, point d'exclamation mercredi, mais c'est Street of Rage 4 et XCOM. Le point d'exclamation lisse, je vais l'enlever. Le reste, il faut nous ravitailler. Comme je vous ai dit, je mets tant tout sur le budget de l'escouade le permet, tout ira bien. Je vais tout mettre sur le... Je mets tout sur le Google Sheet, mais là, je l'ai pas fait. Bon, laissez-moi juste enlever la commande, au moins, c'est réglé. Ah bah putain, il me rappelle. Je suis désolé, les gars, je dois prendre l'appel, je suis désolé.
Et eux, putain, je vois plus rien quoi. J'étais sur ma terrasse, je vois plus rien. Je suis dans le noir, dans la couleur. Re. Et salut Alikou. Re, excusez-moi hein, pour ce petit Taifka. N'est-ce pas? Attendez, je note 2-3 trucs pour pas oublier ce que je dois faire. Parce que vous savez que je suis Poisson Rouge Man, évidemment. Hop, c'est bon les gars, je suis à vous, je serai plus dérangé, tout va bien, tout va bien. Il a fait son re, c'est ça, le petit rototo, ça va Capricorne, le petit Capricorne. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Permis de s'infiltrer par une porte sécurisée, ok, charge d'infiltration, le jeu a l'air de vachement tourner autour de ça, hein. Effectivement. Le petit medkit, moi un petit medkit, j'achète directement, on a 140 balles. Le truc que je voulais voir... La CT-31 est devenue la seule source mondiale d'androïdes depuis la réorganisation des usines de CEM d'Advent. La bobine sacrée fouine là-bas depuis une semaine. Découvrez pourquoi. Alors attendez, on a plein de missions, mais avant ça, j'ai normalement un mec blessé. Et je veux voir s'il est soigné ou voilà, quelle est son histoire. Ça a l'air d'être bon, ils sont tous dans le transport, ça a l'air d'être ok, hein. Ils ont pas l'air blessés. Hein. Santé 7, 8, 9, 9, 8, non non c'est bon, ils sont tous bons. Ça c'est quoi du coup? C'est le ravitaillement, donc c'est là où on peut acheter des trucs. Ou alors, état de l'enquête, donc ça doit être le résumé de la mission en cours. Très bien. Vu qu'on part sur une mission avec... C'est 4 personnes hein, pour une mission, on est d'accord. Hein. C'est toujours 4 personnes. Hein. Je pense que c'est 4 personnes. Autant envoyer quelqu'un sur une mission. Voilà, accueil chaleureux, coût 3 de temps. Est-ce que c'est 3 missions ou quoi? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on va envoyer cette personne-là. Je suppose que c'est 3 missions. Je ne suis pas sûr. Wouah, putain, hey, je suis sorti 2 secondes, mon gars, il fait 8000 degrés, quoi. Il fait trop chaud sur la terrasse, quoi. C'est terrible. Est-ce qu'on achète d'autres stuff, du coup? La carte d'accès automatique permet de s'infiltrer par une porte sécurisée. Mais est-ce que c'est utilisable ou on l'a tout le temps, ça? Une carte d'accès automatique peut forcer n'importe quelle porte sécurisée avec une attaque par force brute. Parce que si c'est perma, c'est fort. Hein. Ça fait 3 jours, parfois des missions... Pas de mission, certains jours. D'accord, ok. Ouais, ça marche avec un système de tour, entre guillemets, quoi. Munitions traçantes. Ces munitions confèrent un bonus de visée plus 5 lorsqu'elles sont équipées. C'est pas mal. Donc y a pas de laboratoire en fait, hein. Y a pas de recherche comme sur XCOM 2. Je compare beaucoup XCOM 2 hein, vu que voilà c'est le point repère hein, quand même. Munitions tranquillisantes. Si le coup est susceptible de tuer la cible, celle-ci perdra simplement connaissance pour capturer les cibles. Je suppose que c'est utile. On a 145 crédits. Apparemment on n'a pas besoin d'upgrade notre base d'après ce que je vois. On a ce projet là qui est en cours. On va faire un achat je pense. Je suis curieux de cette fameuse carte d'accès là. Je sais pas si c'est du one shot ou pas. On va tester, on va prendre l'info comme on dit hein. Achetons cette carte. Ah je peux en acheter plusieurs donc je pense que je suis bien niqué. Je pense bien que c'était de l'utilisable du coup. Quantité 1. On va voir. Alors du coup, on a 2 missions en gold, 2 missions en violette. Enquêter sur les intérêts pour les androïdes, découvrir une opération cachée dans la gare de triage. On a 5 tours pour le faire, donc idéalement... Alors à quoi ça correspond ça? Je suppose que ça c'est l'agitation, voilà, le merdier qui se passe si on fait rien. Découvrir une opération cachée dans la gare de triage. On a 5 tours pour le faire, donc en fait on va pas le faire tout de suite. On va essayer de maximiser tout ça. Alors on récupère quoi là? 2 dossiers. Et 30$. Là on récupère des renseignements. Les renseignements servent à acheter et améliorer des équipes de terrain sur la carte de ville, mais aussi à acheter des objets précieux sur le marché des pillards. C'est peut-être pas mal ça, non? J'ai aucune idée. I have no idea what the fuck I'm doing. Escouade Chimère, je suis le commissaire Malouf de la police. Ah, commissaire Malouf. Direct. J'en ai strictement rien à faire des histoires politiques. Votre présence est la bienvenue. La police manquait de personnel avant la mort de la mère.
Il y a des trous à combler et c'est là que vous intervenez. Quand vos agents seront débrouillés mieux que les miens, je vous enverrai les détails. Si ça pose un problème au conseil urbain, j'assumerai. Ils peuvent pas se permettre de me virer. J'ai hâte de travailler avec vous. Commissaire Malouf, vous ne dites même pas bonjour ? Blue Blood, c'est ça ? Vous avez pas tenu le coup dans nos rangs, alors vous vous retrouvez là ? Vous savez ce que c'est. Je choisis toujours le plus facile. Le département est ravi de voir l'un des siens revenir en ville. Ça me fait plaisir aussi. On va pas vous décevoir, commissaire. Je vous fais confiance. Alors, Terminus, difficulté modérée, d'accord, donc on était sur une mission facile juste avant, donc la mission va être plus difficile. La police a capté les communications d'une équipe ennemie en route pour attaquer un local industriel. Elle nous demande de repousser l'assaut. Mais écoutez, très bien. Si ce style décide de passer à l'action, arrêtez-la par tous les moyens nécessaires. Comme toujours, il est préférable de maîtriser vos cibles. Les captures nous en apprennent beaucoup plus que les cadavres. Est-ce que vous pensez que c'est du... Quelqu'un sait si c'est consommable ou pas, les gars? Spoilez-moi, faites-moi du backseat. Backseat-moi, bébé. Est-ce que les cartes d'accès sont utilisables à l'infini ou est-ce que c'est de l'utilisable? Je dirais que c'est de l'utilisable. Hein. Ah, c'est à l'infini! Ah! Bon, bah allons-y alors, hein. Alors, le medkit, moi je veux le donner à madame. C'est qui soigne? Où est-ce que je peux voir leur skill? Bon, après, tu me diras, c'est pas vraiment grave. Ah, mais non, c'était la nouvelle qui avait le medkit. Hop, et on va mettre la charge sur Shelter. Why not? Une fois par mission à l'infini, c'est fort du coup. J'aurais dû en acheter plus. Il y a des bonnes idées quand même, hein. Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. C'est dommage qu'on puisse pas renommer les gens, parce que vous savez que moi j'aime bien renommer. On peut pas renommer les gars, hein. Vous me confirmez les gars. Hein. On peut pas renommer les agents, hein, dans celui-là de jeu. Ah, je vous jure, hein, c'est terrible, hein, mais ça me donne envie de jouer à XCOM The Long War, quoi. Je pense qu'une fois qu'on aura fini Battletech, on partira sur, pour le jeu stratégie de la chaîne, on partira sur XCOM The Long War. Un seul type par mission, d'accord. L'ennemi se prépare à bouger. Ratissez la zone sans le laisser faire. D'accord. Ah, bon, on n'a pas le choix, là. Très bien. Blessure de l'agent probable. Ah bah super. On a une chance de se faire défoncer le cul, quoi. Attends, en fait, il y a un ordre d'attaque. Il y a un ordre d'attaque, donc on va faire jouer la médic en dernier. Ouais, pas de renommage, c'est dommage. Moi, j'aime bien renommer les gens. Infiltration, infiltration. Bonjour. On a le temps là en fait, hein. Au début je croyais que j'étais pressé par le temps, mais non, on a tout le temps qu'il faut. On fait 3 à 4 de dégâts. Je pense que la tourelle va être plus problématique. Je suppose. On va défoncer la tourelle. Ça devrait pas s'appeler tir d'infiltration, hein. Ça devrait être tir de breach ou un truc du genre, quoi, tu vois. Pour l'instant, ça se passe bien. Putain, 82% on rate. Et on se prend une bastos. Tout va bien. Non, je croyais que j'avais éternué, mais non. Ça m'a piqué le nez, mais ce n'est pas venu. Ah putain, je suis plus en QWERTY. Ok. Je suis en QWERTY. Et donc du coup, il y a un ordre, hein. Donc c'est bien ça, il y a bien une chronologie, hein. C'est pas, on peut pas choisir qui joue en premier, en fait, hein. C'est vraiment fixé. Alors, donc en 2 c'est qui? C'est lui qui joue. Ensuite c'est lui, ok, fuck.
Ah mais non, mais il y a elle qui joue. Donc en fait, on pourrait très bien le flanquer, lui. On pourrait très bien se mettre là. J'ai besoin d'un meilleur angle. Avoir un tir ici, du coup, en œil de lynx amélioré. Boom. Ça lui fait que 3 de dégâts, tristesse. Attends, mais pourquoi c'est elle qui joue alors qu'elle est en 7? Hein? C'était pas l'ordre de passage, ça? J'ai rien compris, c'est ça? Pourquoi c'est la meuf qui est en 7 qui joue sur la liste? Je pensais que ça allait être lui, puis Godmother. Bon, on va faire le kill sur lui. Je grille l'ennemi. Ça en fera moins. J'ai abattu ma cible. Alright. Et du coup, s'il y a des gens qui ont Street of Rage 4, on joue à Street of Rage 4 juste après dans la matinée. Donc je sais que c'est un jeu qui joue en multi. Oh putain, le tarif qu'on a pris quoi, terrible. Laissez mon escouade tranquille. Alors, travail d'équipe, c'est quoi déjà? Godmother se coordonne avec un allié diminué pour faire avancer son tour dans la chronologie. En vrai, on va plutôt la faire. Est-ce qu'on a une full cover quelque part là? Je vais la foutre en sprint derrière une full cover. Vu qu'elle est low HP. J'ai pas très bien compris le délire des tours là, hein, mais bon, c'est... Voilà, c'est un peu mon pouvoir spécial de rien comprendre, hein, vous le savez. Comment savoir? Là, je suppose que je suis derrière une full cover. Oui, je le suis. Une chance sur deux de toucher. Parce que échanger les positions, c'est fat, mais si j'arrive pas à comprendre dans quel sens on... qui attaque qui, à quel moment, c'est pas clair. Hein. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Et petite écorchure. Ce blindage a bien un point faible. Bah, pour moi, l'ordre, c'était ça. Elle joue, ensuite lui, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que non. Ah, c'est à cause du bridge. Je pense que ça doit être à cause du bridge, ouais. On va avancer là. On va soigner l'autre à côté. Team Medkit. Je vais te soigner. Parce que du coup les gars, rappelez-moi, rafraîchissez-moi la mémoire d'un XCOM 2, quand on n'a pas le DLC World of Chosen, il n'y a pas les missions avec les espèces de zombies verts dégueulasses là. Hein. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de mode The Long War 2 avec War of the Chosen quoi, c'est vraiment vraiment dommage. Hein. Ah, ils ont fait une vigilance à la Phoenix Point du coup. Tu choisis... D'accord, ok, bon bah cool. C'est toi qui choisis l'angle de la liquidation de l'Overwatch. C'est passé un peu trop près. Alright. Ah, et ça vous indique aussi où sont les... D'accord, ok. Où sont les tirs de vigilance possibles, j'ai l'impression. Bon, 70% de chance de hit, c'est quand même pas dégueu, madame. Là, c'est ma faute. Ah, mais j'ai pas vu qu'il est en mode destruction, lui. Je l'ai bien senti. Oh putain, du coup, il se retrouve à découvert. Jusqu'à ce que ça aille mieux. Il se retrouve à découvert, mais Shelter va pouvoir échanger sa place avec lui, donc en fait, c'est ok. En fait, c'est ok. Allez Godmother, fais-nous vibrer. Nice. J'ai bouffé toutes mes munitions. Et du coup lui... Alors on va tester du coup. Moi je vais changer ma place avec lui. Un Phantom Doctrine, on l'a essayé, on va le faire sur la chaîne aussi Phantom Doctrine plus tard. Hein. On l'avait testé sur un mercredi découverte également. Alors, pourquoi je peux pas échanger ma place avec lui? Je ne... I don't understand. Shelter échange psioniquement sa position avec celle de l'ennemi ou l'allié ciblé.
Est-ce que c'est parce qu'il est trop loin peut-être? Il y a une range? Ah là, je peux le faire. Je change de position. Je m'y ferai jamais. Ça passe mon tour. En fait, c'est pas ouf, quoi. Ça va, heureusement qu'il y avait l'Overwatch. Éliminé. Comme dans le manuel. Mais ouais, Fondant Doctrine, ça veut... Putain, mais on a trop de jeux à faire. Après, on va pas se plaindre, hein. Il y a beaucoup de chaînes Twitch, hein, qui... On est là, beaucoup de chaînes Twitch sont en PLS de jeux à faire, hein. Ils tournent en rond sur les mêmes jeux. Je couvre les squads. Donc on va pas se plaindre. Je bouge. Hein. Mais c'est terrible. C'est vrai que l'Overwatch sur... Oh putain, ça la moule. Normalement, c'était un cri, c'était la mort, ça. Hein. L'Overwatch sur XCOM, c'est vrai qu'elle était un peu pérave par rapport à celle de Phoenix Point. Je vais par là. Attention. Allez, on tente. Putain, au secours, j'arrête pas de rater des tirs à 7 sur 10, quoi. J'ai confiance en toi. J'aurais pu assurer, quoi. Attends, mais là, on est 40 à jouer, en fait, donc on peut le défoncer. Ah bah. Le blindage a dévié le tir. Crit quand même. À sec, déjà? Ah, on parle à sec, tout va bien. Bah Ghoul maîtrisait lui du coup, on va voir ce que ça fait. Ah, la fumée protège. J'ai Allez bim l'ennemi. Manchette. Blessure légère, ok. En capturant un ennemi, vous avez 20% de chance de gagner 20 d'enseignement. Ok, et du coup je les ai eu ou pas là? Ouais, ça avait l'air d'être un mix intéressant, Phantom Doctrine. Hein. Putain les gars, je reçois 1 milliard d'emails, c'est exceptionnel. Donc je suis en train de réhabiliter le YouTube, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Je vous mettrai les liens, tout ce qu'il faut quand ce sera terminé, mais c'est ce que je suis en train de faire là actuellement pour avoir les... ce qu'il faut. Bizarre. Il se passe des choses. 50 de renseignements dans tous les cas, donc on n'a pas eu le bonus de 20, j'ai l'impression. Assemblage terminé, ok. Donc là, on a terminé un tour. Vendredi 2 mars 2040. J'avais pas vu qu'il y avait le temps en bas. Très bien. Je suis un peu décousu, hein. Mes hommages, hein, chat. Hein. Le conseil urbain a voté à 5 voix contre 4 pour un couvre-feu général. Le conseiller Barata a parlé pour la majorité. Ces mesures extrêmes ne sont pas fondées. La mort de la mère Nightingale est une tragédie, mais boucler la ville par simple peur est contraire aux principes pour lesquels elle se battait. La police locale reste en alerte dans toute la cité 31. Le commissaire Malouf a fait la déclaration suivante. Commissaire Malouf. Tous nos agents regrettent la mort de la mère Nightingale. Mais rassurez-vous, nous traînerons les responsables devant la justice. Nous aurons bientôt d'autres nouvelles à ce sujet. Ici Célio Dash pour la chaîne 37. Alors, du coup, vous savez les gens level up. Trouvent l'armurerie. Chacun de vous y a un casier. Et c'est aussi là que nous annonçons les promotions de terrain. Ce que je suis en train de faire. Encore un morceau de ruban. Félicitations. Je trouve que tout ça manque sérieusement de gâteau. De gâteau. Promouvoir l'agent. Biographie de l'agent. Ah, origine France, Godmother. Représente. Cocorico. Bon, personne ne lira ça, hein, jamais. Hein. Évidemment. Alors, Godmother. Oh là là, l'arbre de skill est pauvre as fuck. La tristesse. Oh, c'est triste. La promotion agent adjoint a débloqué la capacité frappe alpha. Godmother tire avec l'arme fusil à pompe pendant l'infiltration et voit son tour avancer dans la chronologie. Godmother gagne également un point d'action bonus à son premier tour. C'est fort, lui. Oh, l'arbre. L'arbre de tech qui fait pitié, hein. Très bien. Bon, de toute façon, j'ai déverrouillé, j'avais pas le choix, donc j'ai que ça, très bien. Ils vont tous gagner leur premier skill, en fait. Hein. Alors lui, il gagne quoi, du coup? Éblouissement, Shelter lance une attaque psionique qui désoriente. Alors, en vrai, je parle un peu mal du jeu, hein. Le jeu est sympa, clairement, hein. Le jeu est cool. Je pense que ça peut être une bonne introduction au genre tactical XCOM-like. Vu que le jeu est un peu plus guidé
et peut-être un peu moins, alors de ce que j'en vois, un peu moins complexe qu'un XCOM classique, ça peut être une introduction sympa. Je sais pas si le jeu a, a bien marché ou pas, mais ça peut être, je pense, sympa pour ceux qui sont peut-être pas habitués au genre. L'ennemi ciblé reste désorienté un tour de plus, donc une grenade flash, hein, clairement. Ah ouais, j'ai clairement l'impression d'avoir XCOM Live, quand même. Clairement, Xif, ouais. Clairement. Bah, tu vois, l'arbre de tech qui est vachement petit, y a pas de... Y a pas un choix multiple sur, sur les recherches, sur les stuffs. Enfin, sur les armes ont l'air fixes selon les personnages. Les missions, au niveau du positionnement, c'est déjà prédéterminé. Enfin, c'est vachement... je trouve le spectrum de choix vachement plus réduit, quoi. En direct de mes vacances, sous les ponts en Corrèze. Terrible, cela. Attendez où, du coup? Tu squattes le wifi du McDo, là? On est en 140p, bonjour. 140p, squad. La programmation... tir de lanceur. Blue Blood, tire sur une cible au pistolet. Lanceur, en ignorant tous les bonus de couverture. Ça, c'est très fort, hein. Mais on en fera tôt ou tard sur la chaîne Xiv du XCOM. Je pense que je ferai du XCOM 2 The Long War, malgré le fait qu'il n'y ait pas, encore une fois, le DLC, je l'en traverse la gorge, hein, comme vous le voyez. On verra ça. Capacité débloquée, scanner de combat. Le Gremlins scanne la pièce, appliquant un visé holographique. Donc ok, la visé holographique, on connaît bien, quoi. T'es en vacances chez les parents, bon, ça va alors. Ça taillera un peu l'esprit de tous ces problèmes de recherche d'appartement. Alors du coup, on a terminé la recherche là qui nous a débrouillé d'autres recherches, donc armes modulaires, donc pour modeler les armes, ça on connaît bien, blindage modulaire également. On va clairement rechercher l'arme modulaire pour sûrement pouvoir mettre des scopes. Alors est-ce que je peux... Ah non, c'est pour changer, d'accord. Ok. Donc elle est encore bloquée pendant deux tours. Ça c'était quoi déjà l'entraînement? Oui, l'entraînement c'est pour les troupes. Pour l'instant, on n'a pas assez de monde en stock. Est-ce qu'on a récupéré du pognon sur la mission d'avant? Non, on a 95 de crédit. C'est du renseignement qu'on a trouvé, hein. C'est pas pareil. Les androïdes sont des unités de renfort pouvant remplacer les agents à terre. Ok. En vrai, on va pas dépenser, on va relancer une mission directe, je pense, hein. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que normalement, j'ai des unités blessées là. Mais en fait, elles sont soignées automatiquement, malgré le fait que j'ai désactivé les soins automatiques dans l'option de campagne. À moins qu'ils considèrent une unité blessée quand elle est KO, quand elle est à 0 PV. Je ne sais pas. I don't know. Donc on a encore 4 tours pour faire ça, donc je pense qu'on va faire les autres missions en priorité, hein. Localiser un informateur, ou alors on récupère 30 d'Elerium, sert à l'assemblage. On va peut-être en avoir besoin. Bah j'ai désactivé ça normalement, Xif, donc une blessure c'est un malus permanent lors d'un KO d'une mission. D'accord, donc il faut que la barre soit à zéro, quoi. Donc c'est bien ça en fait, il faut qu'il soit considéré dead, quoi, entre guillemets, quoi. Traquer les voleurs d'alliage, allons-y, faisons ça. Comme ça on récupère de l'Elerium. Salut Choul. Cœur de lion, pourquoi donc? C'est un XCOM sorti après le 2 celui-là? Ouais, c'est un XCOM light, entre guillemets, un peu plus scénarisé, une bonne introduction, je pense, au genre XCOM Solara. Un peu plus light, un peu plus scénarisé, sympathique au demeurant, mais voilà. Alors, des bandits du coin n'arrêtent pas de braquer des camions automatisés transportant des alliages rares et précieux. Un fabricant local offre une récompense pour chaque caisse récupérée. Et allons-y. Avancez la journée. Si vous envoyez le transport, résoudre cette situation, la journée avancera automatiquement. Oui. Bah, un petit peu Xif, je trouve. Je sais pas s'il y a d'autres vétérans de la série XCOM, mais... peut-être un tout petit peu frustrant sur ce point-là, quoi. Après, le jeu apporte des trucs sympas aussi, mais... En fait, il n'y a pas de blessures automatiques en KO. C'est de temps en temps, d'accord. Et tu peux les soigner là. Ok, d'accord. Mais augmenter leur état physique. Ok. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un bon... Après, on parle d'une introduction. À mon avis, si tu mets le jeu en difficulté max et tout, t'en chies quand même des bulles carrées. Lane, Lyon, Arts, Cœur. Ah, d'accord, ok. Pardon, Chou. L'un des participants a déclaré... Elle avait tout compris.
Excuse-nous. Elle ne voulait pas seulement améliorer ma vie et celle de mes proches. Hybride, extraterrestre. Mais oui, c'est clair. Humain. Elle faisait de son mieux pour nous tous. Le conseil urbain a unanimement voté pour organiser des élections avant la fin du mois. Le conseiller Parata a fait cette déclaration. La mère Nightingale a dit un jour, gouverner ne nécessite pas l'approbation populaire, mais le consentement du peuple. Chaîne 37, un reportage de Célio Dash. Ok. Ok, ok, bah écoutez, allons-y, hein. Lançons la mission. Attends, mais... Hein ? On est censé faire une mission, là ? Pourquoi ça n'a pas lancé la mission ? J'ai rien compris ? What ? On devait pas intercepter des caisses, ma bite est un volcan, là, tout ça ? J'ai raté un épisode ? Ah, mais on a récupéré les... Ah, il y a des missions qui se font sans les jouer, en fait. Intéressant. On a récupéré le pognon, hein. On a récupéré l'Ellerium, mais en fait, on n'a pas fait de mission. Ça s'est fait tout seul. C'est ici qu'on joue à des jeux vidéo, absolument. C'est ce que tu disais tout à l'heure, d'accord. Ouais, mais en fait, je pensais que tu disais qu'il fallait jouer la mission pour que le jour passe. J'avais pas compris ça, en fait. Oui. Eh bien, écoutez, faisons une autre mission, du coup. Des forces hostiles peuvent essayer ah, de voilà, protéger là, on joue. L'objectif de mission critique qui doit être détruit. Détruisez l'appareil en question quand vous aurez le feu vert. Restez à distance si vous pouvez. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ici ? On a un robot, mais le robot c'est genre une unité trash qu'on peut gaspiller ou il est important ? De toute façon on n'a pas récupéré de stuff donc en fait on peut lancer direct comme ça. Hein. Allons-y. En tout cas dans le point positif le L'ennemi jeu tourne se bien. Regroupe autour de l'appareil. Pour XCOM qui est quand même connu pour être un peu optimisé avec le cul, c'est quand même pas mal. C'est quoi un gars et KO un robot le remplace, ok. Ouais genre là j'ai un mec en formation, c'est pour ça quoi, parce que là c'était une mission à 5 au lieu d'être une mission à 4. J'ai l'impression que j'ai un cheveu de ma femme coincé dans mes cheveux. Vous connaissez ce moment ? Bizarre. Ou alors j'ai un cheveu qui a poussé énormément tout seul. Blindage plus 1 durant tout l'affrontement pour la première unité à passer par ce point. Waouh, c'est trop fort. Esquive plus 50 dans un tour pour toutes les unités en entrant par ce point. Alors on va mettre un mec à gauche. On va mettre Shelter, vu qu'il échange les positions, il peut se retrouver en position un peu voilà, un peu tricky. Donc un de blindage, c'est plutôt nice. Et plus 50 esquives pour toutes les unités en entrant par ce point pendant un tour. Donc tout le monde, quoi. Tout le reste. Ah, le robot, par contre, il va se faire enculer. Le robot, voilà, il passe... Le robot, on sait pas où il va passer, mais voilà. Allez, on entre. Restez pas groupés. Ah, d'accord, GSTL, d'accord. Alors, on commence avec quoi du coup ? On a une tourelle, on a un soldat. Un purificateur, on les connaît pas encore eux. Je crois pas qu'on les ait déjà vus. Hein. Et un colosse. Qui a deux armures cheloues, une armure... Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est derrière une full cover et ça c'est un point d'armure classique, c'est ça ? En vrai, moi c'est les tourelles qui me font peur. Hein. J'étais traumatisé sur XCOM 2 des tourelles. Hein, donc j'ai bien envie de focus la tourelle. Ah sinon on peut balancer un éblouissement. Oh que 2 de dégâts, tristesse madame. Tire lanceur, c'était quoi ce truc qui ignorait la cover, donc on s'en fout. Le purificateur. Frappe alpha, je sais plus ce que c'est, et si je clique dessus, est-ce que ça me dit ce que c'est? Tire avec le fusil à pompe pendant l'infiltration et gagne un bonus d'initiative et un point d'action. Au premier tour. Bah, pourquoi pas en vrai. Hein. Alors attends, on va essayer de finir lui. 9 chances sur 10 de le terminer. Ça serait beau. Voilà, voilà ce que j'en pense. Évidemment.
Évidemment, madame. Attends, mais lui, en quelle époque je le flanque pas, là? Tu m'expliques? À quel moment, lui, je le flanque pas, quoi? Bon, moi, j'y crois à mort. Nice. Type fumigène. Alors, fumigène, est-ce qu'on peut voir ce que ça fait exactement? Les chances d'esquive, hein, je suppose, ouais, 21% de chance de hit, c'est pas clair. Donc là, on joue Blue Blood, ensuite on va jouer Godmother, et ensuite on va jouer... Enfin, c'est lui qui va jouer. Donc c'est lui qui joue, ensuite c'est lui. Donc c'est les deux du fond qui vont jouer d'abord. Les deux d'à gauche, très bien. On n'a pas une super... En fait, les maps sont vraiment minuscules, hein. Les maps sont vraiment minuscules. Godmother, elle a un soin. On va faire le coup classique, hein, mon gars. Hein. 7 chances sur 10 de le tuer. Nickel. Même si je jouais pas sur le prochain tour, c'est pas trop grave. Ah, et du coup, c'est vrai qu'on a récupéré un point d'action supplémentaire. Donc en fait, on peut bourrer. Bourré. Je crois que c'est les deux là qui vont jouer. Ouais, 6 chances sur 10, ça paraît compliqué. Une petite vigilance. Une petite vigilance. Donc lui, je suppose, on va tester une théorie. Si je me mets là, ça touche à, selon moi, ça touche à 100% et ça tue forcément. À confirmer. D'accord, donc ça touche pas à 100%, donc les chances de hit sont comptées dans une AOE. Mais au moins on sait. J'avais la tête ailleurs. Encore une fois, hein, n'oublie jamais, hein, prendre la formation, c'est important. Faut y l'avoir au moins. Oh, le shotgun qui fait mal. Alors, qui joue en prochain? C'est le Ranger, c'est lui. Donc on va électrocuter lui, clairement. J'électrocute la cible. Comme ça, on est plein à jouer avant que ce soit les ennemis. Ah oui, c'est vrai que ça fait de la OE aussi, j'avais oublié ce détail. Et ensuite, c'est Shelter qui joue. Ensuite, ça sera lui. Donc lui, en gros, on peut le ken, hein. On va le flanquer. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je tue l'autre avec lui plus lui? On va dire que oui. Parce que là, je suppose que j'ai plus qu'un tour pour récupérer la caisse. Si j'ai bien compris le... Je suis en mouvement. Le délire. Merci, Shul. Merci beaucoup. Même si ce n'est pas encore... on n'est pas encore tiré d'affaire, j'ai envie de dire. Mais ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Justement, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai encore eu un coup de fil. Parce que c'est un peu un match-up infini entre les centres de formation et tout ça. Mais dans tous les cas, apparemment, voilà, il y a de grandes chances, de très très grandes chances que ça se fasse bien. Après, ça va être une question d'optimisation de temps de formation, formation payée par Pôle emploi ou CPF. Donc le monde n'est pas forcément entièrement rose, mais c'est quand même pas mal. Je vous tiens. Oh là là, terrible. Ah oui, en plus il y avait une action en plus, quoi. Oh, vas-y, hé. Ça va. Je manque de munitions. Je dois recharger. Oh, c'est pareil, le rechargement il a l'air automatique. Ah merde, j'aurais pu neutraliser. C'est passé à côté. Bon bah, au final, ou alors je me mets un dos dans le cul. N'oublie pas ton entraînement. Ah, on prend des dégâts pour rien, quoi. Mais en vrai, en fait, on s'en fout de prendre des dégâts dans le jeu, vu que tant qu'il n'y a pas un KO, il n'y a pas de pénalité. La cible a été arrêtée. C'est un peu pété, non?
Ce genre là, j'aurais bien aimé pouvoir soigner un de mes mecs. Attends, on est tous revenus full life ? 7 sur 7, 7 sur 7, 8 sur 8, 8 sur 8. Bizarre. Le tir qui touche les ennemis se transforme en coup critique. Blessure de l'agent probable. On a des sur... Ok, on a de chance de se blesser partout. Bonus visé plus 25 pendant l'infiltration de toutes les unités sur ce point. Donc on va mettre lui. Ah non, d'accord, ok, j'ai ma vie, ok. Parce que lui, il a le bonus d'œil de lynx, donc ce serait contre... voilà, contrebalancé avec la bonne visibilité. Bah j'ai mis 0, j'ai dit stiel, mais c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Et salut Dompteur, comment vas-tu? Mais ouais, ouais, pour l'histoire de la... Pour l'histoire de la formation, là, pour ma vie perso, hein, voilà. C'est pas clair, comme dirait... comme diraient les autres, hein. Y a des trucs pas clairs. Mais ça devrait le faire, dans tous les cas. Bah écoute, pour l'instant, on est sur XCOM Escouade de la Chimère, bien sûr. Et c'est sympathique. Je me vois pas y jouer sur le long terme, vu que ça me donne trop envie de jouer à un autre XCOM. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, ils m'ont rappelé juste il y a un quart d'heure, là. Alors, en vrai, elle, si je la mets là et qu'avec son drone, elle peut crit, ça serait parfait, quoi. Parce que les ennemis qui... Les tirs qui touchent les ennemis se transforment en critique pendant combien de temps? C'est juste le temps de la breach, je suppose. Ah, mais c'est ça l'ordre de priorité, en fait, que je peux mettre sur les trucs. Je viens de capter. Infiltration! Infiltration, infiltration! On va quand même revoir la définition du mot infiltration, mais... Mais oui, allons-y. Ouais, bah c'est un peu ça, chelou, ouais. C'est un peu ça. En fait, hier, elle m'a vendu du rêve, et ce matin, elle m'a rappelé à l'ordre. Parce que hier, elle m'a dit, oui, vous en faites pas, vous avez cette formation-là, payée par Pôle emploi, une formation de 11 mois, c'est parfait, super, tu vois, abonne-toi. Donc moi, j'ai voulu m'abonner. Et puis en fait ce matin elle me dit, ah en fait peut-être que la communication entre le centre de formation et Pôle emploi n'est pas à jour, du coup peut-être qu'en fait c'est pas financé. Ah, appelle le centre de formation et démerde-toi. Très bien. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. C'est dommage de pas la kill. On va quand même focus la tourelle, hein. Pour moi ça reste quand même le plus grand danger. Ah, 65% de chance de hit, je préfère une course à couvert, hein. Et du coup, course à couvert, j'ai quand même une cible. Là, par contre, on est bien. C'est pas clair, hein. Il se passe des trucs, hein. Il se passe des trucs. Vous voyez la cible ? On est quand même, on est quand même mal en point. Et je, tu vois, genre là, typiquement, enfin, c'est chiant d'être bloqué dans cette pièce, quoi. La maîtrise serait tentante. Qui joue après? C'est l'android du fond. C'est l'android du fond, et après... Ok, c'est les deux mecs du fond qui jouent. Bon, on a 80% de chance de le hit et de le kill. Merci. J'ai eu un petit, une petite appréhension. Salut Floods. Ok, donc lui il va venir se suicider au prochain tour. Ce qui est un vrai problème en vrai. Ce qui est un vrai problème. On peut détruire ça, du coup c'est quoi? Sécuriser les bureaux, détruire l'assemblage pour arrêter les renforts. Ah ok, d'accord. Mais en fait on est dans la merde. On est dans la merde, madame. On est clairement dans la merde. Parce que là, la portée du medkit c'est une case autour de moi. Donc je pourrais pas le soigner et je peux pas me mettre à couvert pour le heal. Donc j'ai bien peur que notre ami
ici ne décède. Après on a le choc. Le choc c'est 100% de hit. Et après c'est Shelter qui joue, donc lui on pourrait le tuer en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le choc sur lui. Je grille l'ennemi. Ça douille hein. Ah ça me rappelle, oui c'est de l'armure ça. Je me rappelle dans, déjà dans XCOM. Ça je me rappelle. Et du coup lui, on peut le savater, on a 100% de chance de hit. Et en plus on le capture. J'ai arrêté l'ennemi. Donc en vrai c'est cadeau quoi. Et là le problème va être lui. Mais lui le truc c'est que il est sous armure et il va s'autodétruire. Si tu étourdis l'ennemi, tu as plus de chances d'avoir des renseignements. Ouais j'avais vu ça, ouais tout à fait. 20% de chance par next stun du coup. C'est pas mal cette mécanique hein. Mais alors, est-ce que je peux voir ses mouvements à lui? Parce que en vrai, je ferais bien la technique du lâche. Je ferais bien la technique de me barrer. Et au moins il est hors de position et il s'autodétruit tout seul. Je vais bouger. Je vais tester, on va voir. Parce que lui il a plus de PV, faut pas qu'il fasse le fou. Couvrez-moi. Il va venir me péter la gueule et je suis mort du coup. On va premier mort, du coup blessé, mort, on sait pas. On va te protéger. Perte de sang pendant 3 tours du coup. Le classico. Parce que si c'est ça, on est bon. Hein. Ah, on peut la stabiliser. Alors, est-ce qu'il y a besoin de la stabiliser? La réponse est non. Parce qu'en 3 tours, lui, il est mort. Quoique, il a beaucoup de vie et il a de l'armure. Il a beaucoup de vie, il a de l'armure. On va se mettre derrière. On va soigner lui pour éviter les petits... Attends, c'est lui que je veux soigner. Hein. Je vais te soigner. Oui. Bah moi l'artwork, le style visuel du jeu me plaît. C'est plus... Ah, en fait, ça nous coûte pas de points d'action de le faire, ça. Bah, go la stabiliser alors. C'est plus le côté un peu XCOM light qui me déplaît. Je sais pas si tu as fait les autres XCOM, mon cher Choul. Voilà, on a découvert, on va prendre la bite, madame. Dommage pour eux. Mais le côté, ouais, le côté un peu light me perturbe, dirons-nous. Alors 3 de dégâts, 2 à 3 de dégâts garantis. Je recharge. On le tuera pas en... Je suis en train de penser mais on le tuera pas donc je vais me mettre à couvert. Je dois me déplacer. Œil de lynx, 75% de chance de hit, et j'y crois à mort. Nice. Oh putain, un crit en plus. Ah mais attends, mais c'est refait. Parce qu'après c'est l'autre qui joue. Je vais assurer le coup, je vais mettre un 88%. Là, jeu de merde. Ah j'assure le coup hein. 88% j'assure le coup les gars, vous en faites pas hein. Mais il est déjà 10h45, en vrai il va falloir changer de jeu bientôt hein. Vous supprimerez. J'ai envie de tester Street of Rage 4 ce matin. Donc je le répète, hein, c'est mercredi découverte, hein. On découvre les jeux que vous avez lancés sur la liste de découverte. Tu l'as annoncé, bah ouais, faut que je me taise. Ouais, du coup on en capture 2. Blessé grave, blessure légère, non déployé pour le robot. Alors, en fait, oui et non, Choul. J'aime bien le fait. En capturant. Ah, on a capturé 3 ennemis, vous avez 60% de chance de gagner 20 d'enseignement. J'aime bien le côté breach. Le côté. Tu prévois ton entrée dans un bâtiment. Mais du coup, comme ça enlève
ça, en fait, ça met une carte minuscule, ça me dérange en fait, tu vois. Et le côté chronologie, je sais pas si j'aime beaucoup. Enfin, je ne sais pas, je suis mitigé. Alors, récompense, chargeur amélioré avancé, modification d'armes, 25 de renseignement et 32 d'hélérium. L'agitation du quartier de la gare a augmenté de 3, le quartier de Frange a augmenté de 2, ok. Donc du coup, projet terminé, les armes modulaires. Go découvrir XCOM 2, hein. Bah, on va sûrement faire du XCOM 2 The Long War, hein, sur la chaîne dans les prochaines semaines, je pense bien. C'est juste que là, je vais pas le faire tout de suite, vu que je suis déjà sur Battletech. On va essayer d'avoir deux styles de jeu différents dans la journée. Des rapports confirment. Et pourquoi une pas faire genre des journées avec Undermind et XCOM de Long War, hein. La réhabilitation ne peut pas enquêter sérieusement. On peut faire quelque chose contre ça. Forward, mec. Nos résultats peuvent nous. Je pense que la sauce sera redescendue, car on y retournera. Nous sommes là pour assurer la sécurité. Vraiment. Alors c'est ce que nous avons de mieux à faire. Bon, je pense qu'on a un fil global du jeu. Je pense qu'on va switch de jeu, mesdames et messieurs. On va passer sur Street of Rage 4, le deuxième jeu à découvrir ce matin. Parce que rappelez-vous, c'est mercredi découverte, hein, c'est pas journée XCOM Chimera Squad. Que dire de XCOM Chimera Squad ? Le jeu est sympa. Il a ses avantages et ses inconvénients. J'aime pas le fait voilà, d'avoir vraiment une sensation de XCOM arcade ou d'XCOM light. C'est pas un truc qui me plaît énormément. Le système de bridge est sympa, mais le côté petite map et manque de personnalisation ça me fait un peu tirer la langue. Surtout quand je vois l'arbre de tech qui est vraiment très, très petit. Donc mitigé. Je pense que c'est un bon jeu pour ceux qui découvrent le genre. Mais c'est pas pour un gars qui a farmé le jeu... Qu'à farmer les autres XCOM, je sais pas si c'est le meilleur truc du monde, sauf si vraiment vous êtes en manque de XCOM-like, mais dans ce cas-là, je vous conseillerais peut-être plus Phoenix Point, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Mais voilà, donc c'était XCOM Chimera Squad, ou Chimera, ou j'en sais rien, je sais pas comment on dit en anglais. Bref, next game, mesdames et messieurs, c'est donc Street of Rage 4. C'est un jeu en multi, entre autres, donc si vous avez le jeu, je vous invite à me rejoindre sur Steam. Si vous l'avez pas, eh ben on va découvrir ça ensemble dans tous les cas. Donc Street of Rage, qu'on ne présente plus, hein, dans cette communauté de vieux monsieur notamment, hein, XCOM, qu'est-ce que je dis ? Street of Rage, on y jouait sur la Mega Drive il y a 15 ans. Et donc le nouvel opus après un long long moment. Hein. Je branche ma manette, je suppose que c'est un jeu qui se joue manette. Je suppose. Retransition sur in-game et on va lancer le jeu, mesdames et messieurs. On va laisser une capture automatique en espérant que ça fasse son boulot. Musique, c'est du Pendrez, hein, les OST derrière qui tournent. Lançons le jeu, mesdames et messieurs. Lançons le jeu. Et je suis spammé de mails, j'en peux plus. Putain, ça se lance direct, pas d'embrouille. Pause, capture de jeu ou pas? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer dans le chat qu'on est bien sur la catégorie Street of Rage 4? Comment il s'appelait déjà le blond? C'est good, merci. Axel, voilà, c'était ça. Oh là là, il y a de la... Oh là là, il y a du boobs, on aime bien. Donc le jeu qui a fait un tabac, hein, Street of Rage 4, qui a été extrêmement bien reviewed. Ah, Blaze, on aime bien. On n'a pas le son des gifs, mais voilà, on lui ferait ça, quoi. Hein. Voilà. Je vous laisse lire sur ses lèvres, évidemment. Bah, j'ai joué sur Sega aussi, Dompteur. Absolument. J'ai joué sur Sega également. Alors, option rapidement. Vidéo. Plein écran, oui. Bouton de la manette Xbox, oui. Option avancée. Synchro vertical, oui. Nous streamons. Ça me paraît bien. Tant de souvenirs. C'est pas jeune. Bah ouais, mon gars. J'y jouais, j'avais 10-12 ans, moi. Hein. Tu l'as fait en coop à H2. C'est pour ça, hein, si jamais vous avez le jeu et que vous voulez jouer avec moi, avant que je lance, n'hésitez pas, j'ai déjà dit deux fois. Alors on peut choisir la nourriture qu'on récupère. Ah, évidemment, la pizza de la NRS Télévision, qu'on ne présente plus. Et le plat de résistance.
Qu'est-ce qu'on aime bien en plein de résistance? Un burger, burger pizza. Voilà, petite musique de film de boule. Hein. Si je commence à me dénuder, voilà, c'est que je suis envoûté. Hein. Joindre une partie en ligne. Non, on dirait que personne ne veut jouer avec moi. Bah écoutez, lançons le solo. Donc un beat'em up. Beat'em up ou beat'em all? Je confonds toujours les deux. Mais voilà, un jeu en side-scrolling où on tabasse tout le monde. Alors apparemment, le jeu est ultra dur, d'après ce que j'ai compris. On va rester en normal. Beat'em all. Oh, les choix de bonhomme. Ah lui, je m'en... Ah mais attends, mais lui, il me parle lui. Bon, un jeune Lénard sur le prix Axel, parce que bon, il aime bien voilà, s'identifier à un mâle alpha puissant. Mais un Lénard qui a grandi, voilà, Blaze, ça me paraît quand même pas mal. Est-ce que la musique n'est pas trop fort? Normalement, ça devrait, bon, ça devrait être fort juste ce qu'il faut. On va jouer Blaze, évidemment. Allons-y. Cinématique. 10 ans se sont écoulés depuis la mort de Monsieur X et le démantèlement de son syndicat. La ville connaît une période de paix, mais tout est sur le point de basculer. Une nouvelle organisation criminelle a fait son apparition, soudoyant toutes les forces de l'ordre de la ville. D'après la rumeur, elle serait dirigée par les enfants de Monsieur X, les jumeaux Y. Kyle XY, hein, rappelez-vous, excellente série, pas du tout. Les anciens détectives Axel Stone et Blaze Fearling ont uni leurs forces avec Cherry Hunter, fille du vieil ami, et Floyd, apprenti. Voilà, ensemble, les quatre justiciers s'opposent au syndicat Y dans Street. Street of Rage. Ouais, en même temps j'ai envie de te dire Osef de l'histoire. Alors, qu'est-ce... Oulala. Alors on aime bien. Alors, stick gauche je me déplace, stick droit ça fait rien. Ah, je saute. X, je mets un direct du droit. Ah, ça me consomme de la vie. Y, je fais une... voilà. Je fais une pirouette qui me consomme de la life. B, ça fait rien. Gâchette droite, j'attaque derrière. Gâchette gauche, ça fait rien. Et les boutons, ça ne fait rien. Voilà, combo, évidemment. Hein. Et là, en fait, voilà. On peut focus. Et faire des blades si on se fait, si on se fait circle par derrière. Oh là là, quel skill! Regarde le son. Le son est peut-être un petit peu fort une fois in-game, non? J'ai l'impression que ça monte un peu dans le jaune. Je vais le baisser légèrement. Voilà, on va mettre 80. Et oui, on peut utiliser le décor pour tartiner les culs, évidemment. Le go, go, go! À l'ancienne, quoi. Ah oui, si tu tapes, tu récupères la live, j'avais pas vu, en effet, Rachetou, bien vu. Ramasser, qu'est-ce que je peux ramasser? B, ramasser, ah c'est le tuto, ah le couteau! Ah mais je me rappelle, je jouais avec ma sœur et c'était l'embrouille pour celui qui pouvait ramasser les trucs, quoi. Et vraiment, on peut lancer aussi les items. Oh là là, Hadouken, coup spéciaux en enlevant de la vie. Bam! Ah très bien. Le mec frappe une femme. Putain, la reach, c'est pas clair. Est-ce que je récupère de la vie si je tape avec le couteau, par contre? On n'a pas l'impression. Ou alors, faut que je tartine plus. Ce qui est possible. Oh, cette petite musique du cul, là. Bam! Ah, quel... Trop fort le gars, trop fort. Viens là, petit thug. Comment il... Putain, il a tellement de vie lui. Et je vais mourir en fait. Tu récupères de la vie. Tu ne récupères que la vie que tu perds avec les attaques spé. Ah ok. Tout s'explique. Voilà, j'ai fait une prise, comment j'ai fait ça? Pourtant j'ai appuyé sur X. Merci Yoshi. Et je vu qu'Arachetou l'a écrit juste avant, donc du coup il va être vénère, je le connais. Attends, mais moi je vais récupérer le pipe là.
Balayette. Prise. Balayette. Ah, le bon vieux tuyau dans la gueule, hein. On aime bien. Attendez, il y a une caisse, il y a du loot. Ma loot box. Oh, du pognon, la Twitch money. Combien de pognon? 200 balles, parfait. Par contre, je vais mourir. Et je suis mort. Merci à tous. Ah, mais non, mais j'ai. Ah, oui, on a plusieurs vies. Putain, mais j'ai déjà perdu une vie, je suis nul en fait. Oh! Oh, y'a de la pizza à gauche. Hadouken! En fait, je pense qu'il faut que je bourre beaucoup plus les attaques SP. Hein. Vu qu'on peut récupérer la life. Putain, il peut rebondir sur les décors. On peut les juggle dans les décors en fait. Ah, mais ok, la chope c'est automatique quand j'arrive au corps à corps. Très bien. Petit succès pour avoir ramassé de la bouffe. Ok, ok, on va faire des combos, on va faire des combos. Je me trompe de bouton, tout va bien. Oh putain, ça a redonné tellement de vie ça. Alors, vous pensez que ça veut dire quoi quand ils font un. Quand ils deviennent tout rouge? Ça veut dire qu'il va attaquer? Petit couteau. Oh, les jeux de l'enfance quoi. D'accord. Ah, mais faut faire gaffe quand même. Je me fais tellement tartiner le cul. Heureusement que je suis resté en normal, hein. Je savais que le jeu était dur. Casser des décors pour récupérer des trucs. Putain, mais on voit sa culotte quand elle fait son X-Kick là. C'est un peu. Je récupère une étoile, je sais pas ce que c'est une vie. En vrai, si tu veux faire tous mes succès, jouer en difficulté max et tout, y'a de quoi faire. Hein. Par contre, ma vie là, c'est terrible. Hein. Oh la balayette quoi. Y plus B. Oh! What the fuck? C'était quoi ça? Ok, on a fait un move stylé, mais je sais pas ce que ça a fait. Ça m'a heal? C'est ça qui consomme une étoile. Ok, d'accord. Bon, on a de la bouffe, là on est bien. Oh putain, le premier boss. Oh le bâtard! Comment on lance les trucs? Moi aussi je veux lancer des trucs. Ah putain, mais on peut les juggle dans les murs et tout. Oh le bâtard. Oh, ce qu'il met avec le tuyau, au secours. Je sais pas comment. Ok. Attends, mais c'est moi ou genre il a pas perdu de vie depuis tout à l'heure là? Ah, en fait, il a plusieurs barres de vie, d'accord, je viens de comprendre. Je peux lui faire une prise. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire caca. Non, c'est bon. Oh. Après, ça c'est typiquement les jeux qu'il faut faire à deux. Hein. C'est jusqu'à deux en coop ou plus? Oh là, c'est qui ce thug? C'est Yamazaki dans SNK. Là, je parle aux vieux des vieux. Hein. Si vous avez la ref, bravo. Hein. Attends, si je marche là-dessus, je prends des dégâts. Hein. Oui. Ah oui, il y a les noms, c'est vrai, en haut à gauche. Donovan. Du coup, mec, je bourre. Hein. Je bourre l'attaque spé. Hein. Oh là là, je me suis fait avoir par l'argent. Oh, il m'a tellement fait mal avec sa charge de mort. Mais du coup, la barre qui est mise en péril en vert, si je me fais toucher, je la perds pour de bon en fait, hein, on est d'accord.
Ah mais je m'en fous de l'argent, donnez-moi de la pizza quoi. Ok. En vrai tu vois, est-ce que un millennials, est-ce que un kids, oh putain j'avais pas vu, est-ce que un kids de 2000, voilà des années 2000 pourrait apprécier ce jeu? Parce que moi voilà, moi je kiffe ce jeu parce que voilà, je suis un vieux monsieur et que je jouais à ça il y a 15 ans, 20 ans même. Ok, un petit boss. Ah, je mets la max les gars, direct hein. Ah, j'ai voulu la juggle, j'ai pas réussi. Oh mais non, pourquoi j'ai ramassé ça tout de suite? Erreur. Oh putain, mais je suis tellement lent. J'ai compris qu'il faut que je m'écarte, hein, mais c'est long quoi. Y'a du ouf donc, oui. Ah, c'est vrai qu'on a choisi. On a choisi la run de du boobs. Hein. Ah oui, c'est vrai que je peux sauter, j'avais oublié. Oh là, j'avais oublié que je pouvais sauter. Oh là-haut, putain, ok. Je pense pas que là-haut était aussi large. Ah, j'essaie de sauter, hein. Salut Desmol. En plus, c'était pas pété les attaques sautées à l'époque, justement. J'utilise des frames d'invulnérabilité. Oh, interruption, le bâtard. Ah, oh, ça sent la main. Ça sent la fin. Oh là là, c'était beau ça. Abonnez-vous, hein. Tiens, tiens. Oh là là, il est trop fort. Ah bah non, il est mort. Petit stick of rage. Tiens, bâton dans la gueule. Into combo. Tout rebattant dans la gueule. Attends, mais est-ce que je peux faire sauter et faire Y? Oh là là, j'ai une dive kick. Mais pas une dive kick, une up kick. Enfin, vous avez compris quoi. Oh là là, mais c'est trop stylé. Putain, par contre, je me fais saucer quand même. Hein. Son sbire, ok. Ok, ok. Combo, combo, combo. Mec, je pense que si tu touches le... Je pense que si tu touches ta bille, il y a moyen de faire des trucs stylés. Hein. Attends, mais mid-combo, je peux passer mid-air pour les enchaîner. Et bim, le finish. C'était pas clair, hein. C'était chaud. Attends, mais je peux comboter, sauter, les emmener dans les airs. Enfin, il y a des trucs à faire, hein. Vous savez ce qui serait ultime pour la rejouabilité du jeu? Ça serait qu'il y ait moyen de faire des niveaux sur un workshop. Ça serait fat, hein. Bon, on a fait un score très nul. Apparemment, il y avait 3 trucs à déverrouiller. Oh, ça fait tellement musique de genre... Capcom versus SNK ou Capcom Fighting Millennium 98, tout ça. Enfin, voilà, les jeux de l'enfance, quoi. Le son est bien de 2019, mais ouais, mais c'est trop stylé. Ok, in the prison. Grosse entame. Et du coup, avec le. Oh! Le percut, hein. Oh là là, mais. Je découvre des moves de plus. Enfin, voilà. En fait, avec le Y, tu peux les faire juggle sur les murs et après, donc tu peux les récupérer et encore plus les tabasser. Ah, on peut mettre la bande son originale, Cars. Stylé. Et pourquoi on tabasse des flics? On tabasse tout le monde, nous. Les voyous, les flics, pas de problème. Pas de discrimination. Il y en aura pour tout le monde. Oh là là, vous avez eu l'idée? Genre, tu le tabasses dans le mur, il juggle sur le mur et tu le rechoppes en l'air.
Ah, y a tellement de trucs à faire. Ah, mais du coup, ils se tapent entre eux aussi. Moi, je tabasse tout le monde. Lui, il a une chemise verte, il est plus puissant. Hein. Ça marchait comme ça à l'époque. Hein. Un reskin, une autre couleur, ça veut dire que le mec était beaucoup plus puissant. Alright, je spam peut-être un peu trop le Y hein. Salut les petits potes. Je passe invité Sissi pour vous saluer et vous souhaiter bonnes vacances. Sauf ceux qui buzzent. Bonne vacances à toi Mata si t'es en vacances, c'est vrai que c'est un moment qu'on a pas vu le petit Mata. D'ailleurs tu es le cousin, j'espère que Mata 213 va bien. On est au zéro de vital. Oh là là, dommage. Enfin, y a tellement moyen de faire des combos stylés, je suis sûr. On teste des trucs, hein. Ok, ok. Et comme la zig, en fonction du nombre de mobs, niveau d'embrouille, quand tu mets des films de max, t'as des sons inédits. Ah ouais. Bah, bonnes vacances, Mata. À la prochaine. Des bisous. Ok, apparemment y'a rien à récupérer. Peut-être la fontaine à eau. Ah. Ah genre ça je pouvais les casser. Oh là là, je pouvais les casser depuis le début. Voilà, oh, on peut faire double. Oh, je l'ai tellement comboté lui mon gars. Attends mais je vais faire double dive kick. Oh là là. Mec, c'est de mieux en mieux le gameplay. Oh là là. CRS man, je vais en gilet jaune pourtant, hein. Promis. On vote Macron ici, laissez-moi tranquille. Bon, la pizza, je pense pas que j'ai besoin, à moins qu'elle disparaisse. Ok, ok. Bah attends. Ah oui, pas d'embrouille sur le bâton quoi. Nice. Ah le jeu est cool hein. Le jeu est bien stylé hein. J'imagine en multi. C'est dommage qu'il n'y ait pas de niveau workshop parce qu'au final une fois que t'as fait le tour du jeu t'as fini quoi. Ça s'y prête très bien je trouve hein. Je sais pas ce que vous en pensez, des niveaux faits par la commu ça pourrait être bien fun. Oh là, 3 sacs de pognon. On le remet. Ok, CRS man. Oh, je pensais que ça allait passer en le bourrant. Ok, ok. Coup de bâton. Coup de bâton. Eh mon gars, je reçois des mails par milliers. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Je suis sûrement élu président, je ne le sais pas encore. Cette musique là. Oh du pognon. Alors les loots ont pas l'air de disparaître hein. Parce que de mémoire ils disparaissaient je crois les loots sur les vieux jeux non. C'est temporaire hein. Oh le bâtard ce qu'il m'a mis. Petit suplex à l'ancienne. Spam peut-être un peu trop quand même. Hein. La fontaine à eau, je voulais prendre la fontaine à eau. C'est bon, elle est encore dans le décor, tout va bien. Ah voilà, la petite pizza. Esquive. Dive kick. Combo dans le mur. Oh le bâtard. Ah le petit taser, hein, évidemment. J'ai du mal à identifier ce que je peux casser ou pas en fait. Oh, très bien ça.
Alors moi je vois un flic, qu'est-ce que je fais? Je lance un taser. Et je vois un flic, je lui relance un taser. Oh là là, son truc est à deux doigts de péter quoi, au secours. Et du coup chaque perso a ses propres combos et tout ça quoi, je suppose. Après est-ce que c'est pas juste un reskin? Ah oui putain, mais ça c'est vrai que j'utilise pas depuis le début putain. Oh là là, le bourrage qui se passe mal. Au secours. C'est la fin. Ok, lui il veut me faire une chope tout le jour là, il veut me choper le gros porc. Ah tu lui mets pas là tes burgers toi choule? Ok ok. Oh là là, ça c'est dommage. Putain le triple CRS quoi. Comment j'esquive ça? En vrai mec ils sont paquets, j'ai envie de faire ça. Je sais pas si c'est une bonne utilisation mais... Bouffe. Suplex. Le bâton. Allez on est remboursé sur notre étoile et on a du pognon, parfait. Est-ce que je vais garder le... de pizza. Est-ce que je vais garder le bâton entre deux écrans? Oh, on garde le bâton et c'est là on voit que c'est un jeu de 2019. Hein. Putain, on se tape contre le... contre Commissaire Gordon. Ok. Bien sûr, on appelle ses potes, hein. Terrible. La déchéance d'un homme. Oh, ça va, il fait pas trop mal. Ah, mais en fait, là... Oh, le plus beau combo de ma vie. Non, je t'ai prends un coup, je suis dégoûté. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Super super coup de poing. Ah, je me suis prise. Super. Oh, j'ai voulu sauter pour esquiver, mais non. En fait, j'ai envie... Ah, d'accord. En fait, quand il est sous armure, il faut pas le tester, quoi. Oh y'a la 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 la. Non mais c'est une blague. Est-ce que j'ai bien timé? Oui. Oh la balayette c'était bien, je vais mourir. Game over. Putain, on est en normal, il y a 3 niveaux de difficulté au-dessus hein. Technique de combat, c'est quoi? Coup spécial défensif, coup spécial offensif, sauter, coup spécial aérien, ok. Ah, j'ai envie de tester un autre perso. Quitte à découvrir, autant tester des trucs. On essaye qui? On va essayer, vas-y, on va essayer lui là. These guns are ready. Lui, il a pas l'air de rigoler, c'est Jax. Hein. Il a quitté Mortal Kombat, il arrive dans le jeu. Ah, du coup, on retourne au début du commissariat. Hein. Old school. Crash sur le vieux peut-être. Hein. Oh, je suis lent par contre. Ah, mais niveau range, on est quand même un peu mieux là. Attends, j'ai envoyé mon point pour le grab. Ok. C'est Jax, hein.
Ah mais d'accord, en fait je peux le comboter, je l'éjecte et j'envoie ma main pour le rattraper et je peux le recomboter. Je crois que l'idée c'est ça. Hein. Ouais c'est ça, ok. Et du coup quand je le grappe, est-ce que je peux faire autre chose? Oui, je peux le bourrer, ok. Ah le, n'empêche le gameplay, il est vachement varié, hein, c'est plutôt stylé. Hein. Oh là, je peux l'attraper. Attendez, je peux l'attraper avec Y et sauter avec lui. Hop, je le rattrape, je saute, je les kick, je le rattrape, je saute, je le combote au sol, on combote, hop, on le récupère. C'est assez stylé, messieurs. Ah, très bien. Mais mec, c'est trop fort. Ah ouais? Oh là là. Bah c'est ça, ouais, Death Maul, ouais. T'as vraiment des combos, des trucs différents, quoi. Ah, j'ai pas essayé son coup par derrière, par contre. Ah, c'est des développeurs français. Putain, j'aurais dû faire un petit tweet. Ah, le petit bâton. Donc là, du coup, on a déjà fait la zone. Pognon, y'a rien d'autre à récupérer ici. Hein. Je tape, mais y'a rien. Je ramasse, j'essaie de ramasser, mais y'a rien. D'ailleurs, en parlant de dev français, j'ai aussi récupéré le jeu Microsoft Air Flight Simulator. Je sais pas si vous avez un peu vu sur, sur YouTube ou sur Twitch, etc. Ouais, carrément des small. Attends, mais je peux. Attends, mais je pouvais le faire avec l'autre perso, ça? Ça rebondissait, je pouvais le rattraper? Mais mec, le juggle, quoi. Je suis tellement fort de pouvoir les comboter et de les rattraper. Alors lui par contre j'ai vraiment du mal à le gérer. Hein. Il doit y avoir un truc hein. Tu peux faire vraiment des sales combos. Hein. Ça va être vraiment stylé de regarder un mec qui joue bien au jeu, je pense. Hein. Pas moi, lol. Un petit burger. Oh là là, du pognon. Les musiques sont nice aussi. On n'a pas testé encore son pouvoir. Ah oui, ok, c'est genre le backfist quoi. Bim, backfist. Cadeau plus des badges VIP, voilà encore un quoi. Un VIP de plus. Profitez-en, hein. Bientôt il n'y en aura plus des badges VIP. Hein. Je vois combien il m'en reste d'ailleurs en fait. Hein. Oh, j'ai voulu bourrer, je pensais que ça allait passer. Non mais eux, ouais, problème hein. Merde, c'est pas celui-là que je voulais faire, je voulais l'attraper. On n'est pas serein à niveau HP. Hein. Ok. Super. Super. Oh, par contre le saut... Oh mais c'est sérieux ce qu'il met quoi. Nul! Nul le mec! Barney là! Ah
Y'a pas besoin de garde, on est d'accord hein. Ça concède ton existant la garde dans le jeu. Mec ils me rendent fou avec leur shield là. Je vais mourir. Je vais tellement mourir. Oh un burger. Ah c'est full life le burger, pas d'embrouille. Bah attends, ils sont pas vulnérables à la chope ? Non, ils sont pas vulnérables à la chope non plus. Bon, idéalement, je garde quand même mes points. Ah oui, avec le bâton, par contre, ça leur fait bien mal sur leur shield. Ah, l'interruption, elle est terrible hein, sur eux. Ouais, c'est ça que Xif, ouais. Mais j'ai vraiment du mal à les gérer, hein, avec leur shield là. Ah là là, mais on va arriver sur le boss, on aura plus de vie. Bon, on a deux super attaques qu'on n'a pas encore essayé avec lui, donc je sais pas quoi elles vont ressembler. Aussi, j'ai un super. Ok, bon je reviens, j'ai encore une life. Je l'ai envoyé sur l'autre. Ça fait des dégâts quand j'envoie un mec sur un autre mec? Oui. Oh mais genre il m'attaque quoi. Je sais pas qu'il me retue, c'est pas possible. Il va me retuer hein. Comment je le contre ça, au secours. Avec sa charge rouge là, aucune idée de comment on la contre. Bon stage clear dégueulasse hein. Quelle heure il est, 11h30. Surveillez le temps hein. Ouais, des trucs pas clairs au niveau du... Putain, je suis nul, mon gars, je suis tellement nul. Regardez ces scores de nul. Eh bien... Oui. Comment on contre arrache tous les charges rouges? Je rencontre enfin le plus grand, j'ai pas le temps de lire parce que je disais le chat. Qui es-tu? Mais c'est pas moi, moi, c'est... Ah là là, super, on n'est pas Axel, hein. Appelle-moi Monsieur Y, ma chère sœur et moi-même sommes les nouveaux dirigeants. Quant à vous, eh bien, en toute franchise, vous avez mis un sacré bazar. Néanmoins, nous sommes prêts à vous faire une offre très généreuse pour mettre un terme à toutes ces absurdités. Je vous en prie, pas de décision hâtive. Prenez bien le temps d'y réfléchir. Ouais, c'est ça, ouais, donc faut vachement anticiper, quoi. Mais t'es tellement lent. Après, mon perso est lent, je pense que c'est le problème, quoi. Par rapport à un autre.
J'ai pas vu le nombre de stages. Parce que en vrai, le nombre de stages, c'est pas vraiment la durée de vie, là. C'est plus la chasse au score, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 plus possiblement... Retard. What? J'ai jamais fait ça. Bim. Ouais, carrément aussi. Bah, c'est fait pour ça, hein, clairement. C'est clairement fait pour ça. Alors lui, il a pris tellement le tarif. D'accord. Mais le fait de pouvoir attraper les mecs, les juggles, les ramener... Surtout qu'à deux, du coup, les juggles, ils devaient être encore plus insane. Tiens, je vais t'envoyer dans le tonneau, toi. Francis. Et du coup, je peux porter le tonneau ou pas? Non. Mais je peux les bait, en fait. Hop là. Bam. Ouais, il y a des secrets stages, ouais, ça, c'était sûr. C'est typiquement le genre de jeu dans lequel t'as ça, quoi. Genre s'il n'y a pas un truc caché dans le truc là. S'il y a un trésor caché dans le cargo. Dans le conteneur. Utilisons des vrais mots, hein. On peut dire le truc dans le truc, dans le truc. Oh nice. Attends, je l'ai chopé mid-air là ou je rêve là? Ah mais j'avais pas essayé ça encore. On a un coup spécial qui me permet de rebondir. Par contre, ça coûte des vies, mais... Je suis un peu moins fan de la musique sur ce stage. Ah, d'accord. J'ai anticipé un truc qui n'est jamais arrivé. Ah, mais mec, c'est infect. What? Attends, je peux choper deux mecs et faire un combo? Comment j'ai fait ça? Je sais pas. C'est comme quand tu découvres un jeu de baston, tu fais n'importe quoi et que tu découvres des moves, t'es là, ah d'accord, on peut faire ça. Ça m'a donné envie de jouer à Tekken, quoi, c'est terrible. Retour des streams de Tekken pour la saison 7, hein. Ou 6, je sais plus à combien ils en sont. Oh, j'aurais dû lui mettre un backfist, j'ai pas pensé. J'ai pensé une fois que c'était trop tard. Le petit. Mais non, mais. Là, du coup, on a cassé le bâton. Vie supplémentaire dans 5000 points. T'as la range du truc, ça rigole zéro quand même. Ça veut rien dire. C'est marrant, cette scène elle me fait penser à Old Boy, la scène du couloir là où on voit un peu de côté là. C'est un hommage à Old Boy, hein. Et c'est la mort. Il y a tellement de combos. Enfin, franchement, le gameplay est vraiment nice, hein. Ça demande une certaine maîtrise, quoi, pour découvrir tous les moves et tout comboter comme il faut, quoi. Oui, c'est vrai que c'est plus dans le sens là, en vrai. Tu as bien raison. Ouh, bonjour madame. Allez, un petit coup de fouet. Je vais le tuer qu'au backfist, c'est le non-respect. Oh là là, ça va mourir. On va tester un autre perso du coup si on meurt.
Oh la pizza. La pizza sauveuse. Mec, je l'ai comboté dans le mur, j'enchaîne avec mon ulti. Oh là là, oh du vin, ça soigne ça? Non, ça soigne pas, je suis dégoûté, ça soigne pas. J'ai plus de vie, madame. Terrible. Bon, on va tester un autre perso. On va tester le troisième. Change de personnage. On va tester la Cherry meuf avec sa guitare. Cherry. Ah, c'est vrai qu'on commence du début, quoi. Old school. Plein de mails là, au secours. Peut-être prendre l'antenne à 14h aujourd'hui, le 13h30, les gars, parce que j'ai des trucs à faire IRL, au lieu de lancer le live et de cutter au milieu. Alors du coup, ça c'est le move offensif, le beaucoup de guitare. Le goom défensif, nice. Ok. Je vais me sauter. Ok. Son combo là. Tiens, sub hein. Ah oui, bien joué ça. Ok, ok. La musique, je la trouve chelou quand même sur ce morceau de stage là. Oh là, le meilleur tonneau, triple kill. Dégâts collatéraux, on a fait un succès. J'aime un peu moins son moveset à elle. Ou alors, je l'ai pas encore maîtrisé, il y a peut-être des combos que j'ai pas encore bien captés. Oh, ah, elle a une chope aérienne. Attends, j'ai une chope aérienne avec lui. Avec elle. Excusez-moi, je voulais pas la mise genrée, bien sûr. Viens ici. Il est content. Je pense que j'utilise trop mes attaques spé en fait, je me suce la vie tout seul quoi. Oh allez quoi. Je pense que c'est le perso que j'aime moins jusque là. En termes de gameplay. Là, par contre, je suis tellement mal, quoi. On va remourir, quoi. En vrai, j'ai envie de dire, si on meurt, on teste Axel, comme ça, on va tester tous les persos. Hein. Ah ouais, grave. Let's fall carrément. Ouais. C'est le jeu du stick. Hein. Si tu préfères Axel. Bah elle, c'est pas celle que j'aime le moins, je trouve. Après, j'ai sûrement mal. Enfin, j'utilise sûrement mal. Genre, la chope aérienne, je sais même pas comment on l'a fait, quoi. Ah putain, mais du coup, il peut y avoir des loups par terre et tu les vois pas, c'est tragique. Faut être... faut avoir l'œil vif. Voilà, ça pue, les gars, on a plus de vie. Ça sent le pâté, hein. On va utiliser notre spécial, hein. Très bien. Oh putain, le combo.
Ok. Ah, il y a 17 persos à débloquer. Ah. D'accord. Ouais bah ouais, bah après ça me va, hein, même si c'est des persos rétro, c'est stylé quand même. Hein. Ah, le tesson de bouteille évidemment. Tiens, dans ta chatte. Ah, dans le mur, ça fait mal ça quand même. Hein. Bon, elle est pas mal quand même, elle. Hein. Elle est pas mal. Ah, et c'est la fin. Putain, le rebond dans le mur. Mais grave. Mais il y a 17 persos, tu me dis, c'est insane. En plus, tu peux jouer en coop local, d'après ce que je vois, avec le... Avec ça. Bon, t'es sur Axel. Je joue avec Marine. Je sais pas si c'est. Je sais pas si elle joue à ces jeux-là. Ah d'accord. C'est Ken en fait. What the fuck quoi. Sur une grosse TV cathodique de 25 kilos. Je dis 25-40 ouais. Cet après-midi, les gars, il y a de bonnes chances qu'on joue à Undermine en découverte, le Binding of Isaac, like. Et pour les autres jeux, je sais pas, je vais voir. On va voir tranquillement. Oh non, ça me touche ça, j'y croyais pas. D'accord, son coup défensif il est assez stylé. Il est stylé hein. J'ai pris tellement la douille par contre. Ah il peut y avoir des loots dans les zones explosives, ok. Je vais perdre une vie ici. Ces attaques spéciales sont stylées. Après Axel c'est normal, c'est le main perso, c'est normal qu'il soit traqué. Je veux vivre. Appelez Faudel, je veux vivre. Ah non, je suis mort. Par contre, je suis tellement nul à ce jeu quoi. On est en normal les gars, hein. Et je me fais tartiner le cul. Hein. Je le garde pour le boss. Allez, le petit suplex des familles. Là, tu peux tellement comboter, quoi. Big Ben. Le hitmeter il monte assez vite avec lui, hein. Le nombre de hits ça monte assez haut, hein. Il fait beaucoup de hits. Petit suplex des familles.
tout cas, le gameplay est super agréable. Nailed it, comme on dit. Hein. Ah, eux, ils sont relous. Et c'est le décès. On arrive à ma limite, hein. Troisième stage en normal. C'est ma limite. Alright. Ah, c'est chaud, on va arriver sur le boss avec zéro life. Surveilleur. Bon, si je meurs ici, de toute façon, j'arrêterai là. Hein. Attention. Ok, ouais, c'est chaud, Liu Kang, quoi. Les combos sont vraiment stylés. Hein. Oh le combo, mais j'étais trop chaud sur mon combo là, le mec il a tout ruiné, ruined. Le son rend fou, tu trouves? Les hits et tout ça? Succès expert en combo. Et ben voilà. Le son est peut-être un peu fort pour vous, je sais pas. Bah le son monte au niveau de ma voix, donc c'est un peu fort. Ah mais la bouteille de vin. Ah non, la bouteille de vin c'est une arme, c'est pas... Je crois que c'était du pognon, pas du score. Ça va Loulou? Bon bah très bien, excellent hein. Très stylé hein. S'il y a 17 persos, 11 niveaux, plus des niveaux cachés et tout, enfin c'est assez stylé. Hein. Ah bonjour. Bon sang, ça fait mal. Mais ce serait pire si on en venait à se cracher. Les vieux quais. Qu'on ne verra jamais, mesdames et messieurs. Enfin si, peut-être pour une prochaine fois. Hein. Parce que ce jeu, je le possède, je l'ai. C'est un jeu mercredi découverte, mais je l'ai... Enfin, je suis pas limité à 2 heures sur celui-là. Dans tous les cas, messieurs, il est l'heure pour moi d'aller prendre ma pause miam miam. Donc, restez jusqu'au bout, on va raid quelqu'un comme ça, vous allez récupérer, bien sûr, vos doudous flouzes en bonus, et vous allez, voilà, vous allez briller en société. Et on va voir... Je sais même pas qui live à cette heure-ci, on va voir. Bon appétit, en tout cas, à ceux qui partent tout de suite. Mais je vous invite à rester au moins jusqu'au raid hein, pour avoir les points en plus et faire plaisir, hein, voilà, faire plaisir à un bro. Bah attendez, on va rendre la... Regardez, il y a Dico Maniac qui fait un stream. La personne qui m'avait raid hier, qui est un pro des échecs. On va lui rendre l'appareil. Et voilà, dites-lui bonjour de la part de la Lennart Family. Hein, spammez l'émote. Dites bonjour avec la petite émote Hello sur son channel. Je vais lui dire bonjour. En tout cas, c'est la personne qui nous avait raid hier pour 53 personnes. Donc très gentil de sa part. A tout à l'heure, je pense 14h. Bon appétit, des bisous, ciao. Pion, une tour. C'est ça, hein. On sait tour de pion contre fou cavalier. Mouais. Merci pour ton raid, Lennart. Merci beaucoup.